Get ready! Comment ça va? Salut Radio Crash. Désolé d'interrompre votre programmation musicale. Vous le savez, comme tous les jeudis soirs, 19h, on prend le contrôle des ondes et on a plein de stock pour vous autres. Dans un premier temps, si vous avez écouté le live de Chasse 365 cette semaine, yes, salut tout le monde. Ben écoutez, il y, y a des gens qui, dans la vie, sont et italiens et séniles. Fait qu'on ne peut rien faire pour ça. Fait que je vais vous le demander, comme je vous le demande tout le temps, parce que peu importe qu ce que Marcello Piacentini peut en penser... Dites-moi d'où vous êtes parce que oui, ça m'importe de savoir d'où vous êtes, ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe dans les quatre coins de la province ou du monde en hein, ces temps-ci. Il y a des instructeurs même qui sont sur euh, la base de Ramstein en Allemagne, des instructeurs de l'armée canadienne qui sont là-bas, qui nous écoutent sur Radio Crash puis qui nous envoient leurs commentaires. Ils sont là-bas puis ça leur fait du bien, ils écoutent du new country sa la radio, ils nous écoutent, ça va super bien puis, on va donner Marcello parce qu'on va aussi prendre la peine de souligner ce qu'il fait au début de toutes ses lives. Gang, qu'est-ce que vous buvez ce soir? Moi, vous le savez, j'aime bien ce petit breuvage-là, mais en même temps, on va voir avec notre invité ce soir. Il y a quelque chose que j'adore boire quand on va en Afrique du Sud. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, honnêtement, je ne suis pas un gars de, de bière euh, avec des goûts dedans. De la bière, c'est de la bière. De la bière de si c'est bon. D'abord, je suis pas un gros buveur. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui consomme en quantité, je suis quelqu'un qui consomme en qualité. Par contre, en Afrique du Sud, la première fois qu'on est allé là, on m'a offert une bière. Je suis comme qu'est-ce que c'est ça, lime ou je ne sais pas trop quoi. Je, de la flying fish. La Flying Fish, est presque une limonade. C'est un couleur plus que d'autres choses. Ils nous la présentent comme une bière. Mais Puis ici au Québec, bien, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est le Jack Daniel's Lynchburg Lemonade comme ça, qui honnêtement, vous pouvez le faire en mix à la maison. Il y a des très bonnes recettes pour faire du... un Lynchburg Lemonade vraiment sorti du bar, qui est sur la coche, vraiment sur la coche. Mais le Lynchburg Lemonade de Jack Daniel's, qui se vend comme ça, dans les, panne... les dépanneurs sacs ou encore en sac, honnêtement, il est excellent. Fait que... À Marcello Piacentini et au à tout le reste du monde, ben, je vous dis d'où vous êtes. Écrivez-nous là, là, dans les commentaires, d'où est-ce que vous nous écoutez. Partagez ce live-là, taggez vos amis dedans. On annonce des gros prix ce soir, n'oubliez pas, gang. Puis oui, écrivez-nous, qu'est-ce que vous buvez? Oui, Annie-Claude, je le sais, c'est ton breuvage préféré à toi aussi. Mais jamais de côté parce que vous me connaissez, hein? je commence ça avec un café, évidemment. <laughs> c'est sûr que j'ai mon, mon thermos de café avec moi. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Dans un premier temps, vous êtes beaucoup à vous être connectés. Je vais aller voir ça là, euh, live là, là. Vous êtes beaucoup à être connectés présentement sur la plateforme euh, d'aventure Chasse-Pêche pour écouter le live. On le sait, ça va être de pire en pire. Les nouveaux algorithmes sur Facebook nous rendent la vie un peu dure. C'est pas évident de vous donner 100% de la bonne information parce que dès qu'on parle d'armes ou de munitions, ben on sait donner, on sait couper nos lives. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est que vous connaissez Régis, mais là, Régis, là, je veux du love, je veux des gros merci pour Régis. Remerciez-le. Il vient de nous mettre une plateforme de streaming sur le site. On avait déjà le stream sur le site depuis longtemps, mais là, il vient de vous mettre le chat sur le site. Donc, vous pouvez, ce que vous vouliez qu'on n'était pas capable de faire, là, vous pouvez chatter sur le site, commenter le live sur le site. Puis, je vous le dis, Aventure Chasse-Pêche engendre son grand déménagement. Et oui, ACP déménage. On sort progressivement des médias sociaux. C'est assez. On ne veut pas que quelqu'un d'autre contrôle l'information qu'on veut vous livrer parce que pour eux autres, c'est une nature violente ou quoi que ce soit. On vous parle d'armes à feu, on vous parle de munitions nécessairement. On fait de la pêche, mais on fait aussi de la chasse, on fait de la récolte animalière. Et la dernière fois, j'ai vérifié, ça ne se fait pas avec une baguette magique. Donc, on vous parle, évidemment, pour faire de vous des meilleurs chasseurs, des chasseurs plus, plus respectueux de ce que vous faites, des bonnes armes pour arriver à vos fins le plus rapidement possible, puis on s'est coupé. Fait que là. Rendez-vous sur la plateforme. Le lien. Régis, tu peux me remettre le lien dans les commentaires. Là, s'il te plaît. Rendez-vous sur la plateforme. Et sur la plateforme, faites-moi plaisir. Là, je peux pas vous partager l'écran parce qu'on a un petit souci. Vous allez voir, notre invité ce soir, il est 1 heure du matin en Afrique présentement, là, et Il s'est réveillé deux, trois petites claques. qui est venu nous rejoindre. Mais il y a un souci de connexion, malgré que la ligne est très bonne là-bas. Il y avait un petit souci de connexion, enfin, qu'on a fait un partage d'écran. Je ne peux pas vous partager d'autres écrans. Mais là, vous allez voir, quand vous arrivez sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, avec ce lien-là, vous tombez directement sur, directement sur la page du live et que vous êtes déjà beaucoup plus à nous écouter à partir de la page que sur le Facebook. Ici, ce qui est de très bonnes nouvelles. On s'est rendu compte aussi que les chiffres sur Facebook ne sont pas les mêmes si on met des budgets publicitaires ou pas. Hein? Ah. Ce qui est de Hop. très bonnes nouvelles, on s'est rendu compte aussi oh. que les chiffres sur Facebook ne sont pas les mêmes si on met des pas budgets publicitaires du live. Oh. Yes! Régis, magicien, parfait. Ça, c'est la plateforme Aventure Chasse-Pêche avec le live et le chat en tour. Il y a, des, il y a des, des pictogrammes que Régis a rajoutés en bas pour vous aider. Les étapes. Donc, on clique sur la ligne pour écrire dans le chat, là, dans le bas. Ça va vous ouvrir un inv une invitation à devenir invité. Hein, parce que bientôt, vous allez devoir avoir un compte sur le, 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 le Facebook, pas sur le Facebook, mais sur la page Avant-sur-Chasse-Pêche pour regarder les lives. Mais c'est gratuit, juste que vous vous inscriviez. Donc, on clique sur la petite barre. Ça ouvre un petit pictogramme qui dit invité. Vous inscrivez votre nom, puis vous êtes connecté dans le chat. Vous pouvez parler avec nous autres tout simplement. Aussi simple que ça. Pour vous abonner, sur la page d'aventure chasse pêche, c'est très très important. Je vous le dis, on déménage tout tout qu'est-ce que vous voyez sur les médias sociaux présentement. On a déjà commencé le truck de déménagement est, 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 est commandé. On déménage tout sur le site d'aventure chasse pêche. Rendez-vous sur la plateforme dans le haut complètement de la plateforme, vous allez voir il y a un petit bonhomme exactement. Cliquez sur ce petit bonhomme là, cliquez donc dessus. On voit en bas inscription. Roulez là. <coughs> Vous bon, en bas, là, inscription. En tour de Se Connecter, là, on voit Inscription. Cliquez sur Inscription, remplissez ça. Vous, vous ouvrez automatiquement un compte sur Aventure Chasse-Pêche. C'est gratuit, mais ça va devenir nécessaire pour pouvoir voir les lives. Il y a certains contenus qui vont être réservés aux membres, mais c'est gratuit. Puis je vous le dis, je vous le répète, c'est gratuit. Il va y avoir aussi des concours, beaucoup de concours, parce que dites-vous que d'arrêter de donner de l'argent à Facebook nous donne plus de moyens de vous faire des beaux concours. Si vous prenez ça de même, allez vous connecter là-dessus, vous allez en avoir en masse. Ce soir, on annonce des gros prix. Première des choses, vous le savez, il y a le JBL Extreme 3 qui était attiré pour les gens qui mettaient leur sticker de Radio Crash sur leur char et qui venaient poster euh, sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche. On fait aussi l'annonce, un beau kit, là, un beau kit. Là. Fusil de chasse Browning A5 Wicked Wing. Mais de couleur. Là, je ne vous le montre pas à l'écran parce que je ne vais pas me faire couper tout de suite. Là. La couleur auric, donc la couleur de sauvagine. Donc, ça, c'est un prix de Browning, c'est valeur 4000$. Là. Un A5 auric de Browning, couleur. Couleur auric, évidemment, avec un kit, un kit de chasse, donc un ensemble de chasse complet. Euh, donc, en, on dit ensemble de chasse cold front et salopette isolée auric. Fait que le gros kit auric au complet, ça vaut 4000$. À la fin du live, on annonce le ou la gagnante de ce kit-là. Donc, j'ai ça. Bougez pas, je vais juste aller vérifier pour être sûr que j'ai tout. J'ai des chats privés qui rentrent. Concours Winchester, évidemment, je vous le présente. Bougez pas deux secondes. Je vais aller dans mes images pour m'assurer que je n'oublie rien. Dans un premier temps, vous nous demandez où aller chercher Radio Crash. C'est super simple. Il y a, évidemment, puis là, vous le mettrez, je suppose, en le réécoutant. Prenez le QR pour Google Play ou encore pour le Apple Store. Ou sinon, allez sur votre Play Store, Apple Store ou Play Store et tapez Radio Crash. Vous allez vous retrouver avec une... Quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, on fait install tout simplement, puis vous vous retrouvez dans l'application Radio Crash. Ce qui est le fun, c'est qu'en cliquant en haut, vous avez 24 heures sur 24 du New Country, le top 75 du New Country. Si ce qui passe en haut, ça vous intéresse pas. Exemple, il y a des émissions de, de musique country québécoise qui sont géniales par Véronique L'Abbé. Mais vous autres, ce pas votre style. Mais vous pouvez cliquer dans le bas sur podcast, puis ça vous donne... Accès à tous nos podcasts. Et là, avis à ceux qui sont en vont dans un camp de chasse et de pêche puis qui n'auront pas le signal pour nous écouter en direct. Vous avez à côté, vous pouvez télécharger nos podcasts. Ça fait que oui, on va vous faire des listes musicales aussi, question que vous puissiez amener vos listes musicales avec vous autres. Winchester Repeating Arms Canada devient. Oui, euh, Radio Crash aussi sur le site, c'est vrai. Donc, sur les applications, mais radiocrash.ca ou directement sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, vous cliquez, laisse-moi ça là de même, deux petites secondes, s'il te plaît, Régis. Vous cliquez sur Radio Crash, vous vous rendez directement sur la page où est-ce que vous faites écouter Radio Crash. Vous avez l'horaire de Radio Crash et vous avez aussi les podcasts de Radio Crash que vous faites écouter là. Fait que tout le contenu se ramasse là, vous n'êtes plus dépendant, vous pouvez le télécharger sans aucun problème. Vous voyez le gros bouton concours dans le milieu, là? Clique-donc dessus deux petites secondes, s'il te plaît, Régis. Quand on clique dessus, ça ouvre un petit panneau sur le côté. Qu'est-ce que c'est? Je vous affiche, laisse-moi là en background, pareil, là, j'y reviens. Winchester Repeating Arms Canada, vous le savez, devient le présentateur officiel de Radio Crash. Puis pour ta, ta chasse aux dindons sauvage, bien, Winchester t'offre la chance de gagner un Winchester SXP Longbeard Camo. Donc, tu te rends sur le radiocrash.ca. Et tu sais, comme Régis vient de faire, on clique sur concours, remplis le petit formulaire qui n'est pas trop contraignant. Il y a des étapes-là qui te sont demandées. Euh, tu coches les étapes, mais tu vas faire les étapes en vrai. Donc, tu vas faire qu ce qui est écrit devant la case. Boum! Tu es inscrit 25 avril. On fait tirer le Winchester SXP Longbeard. Merci à Winchester Repeating Arms Canada pour ce beau concours-là. Fait que tout ça, c'est ce que j'avais à dire. J'ai essayé d'aller le plus vite possible parce que là, notre invité, lui, il est en Afrique du Sud présentement. Il s'est levé à, 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 à minuit et demi pour être avec nous autres. Là, il est rendu 1h13 du matin là-bas. Vous le connaissez, certains d'entre vous le connaissent pour deux pouvoiries ici au Québec, soit Renard Bleu et Coin Lavigne. Euh, J'ai nommé mon ami Sylvain Turenne. Sylvain, comment ça va? Ben, ça va très bien. De votre côté, la météo est de mieux en mieux, je crois aussi. Ben, on va finir par avoir du gazon à un moment donné. Parce que là, toi aujourd'hui, ta journée, tu es en Afrique du Sud. Là, ta journée ressemblait à quoi aujourd'hui? Euh, ben, une journée un peu plus fraîche, mais ensoleillée, peut-être 21-22 degrés. Euh, mes clients aujourd'hui sont en sortie de Safari photo. J'ai 10 clients cette semaine. Puis moi aujourd'hui, je te dire c'est une journée de semi-repos, un petit peu de paperasse et de, de job à distance. <laughs> Hey, moi, ce qui m'intéresse à savoir, avant même qu'on parle d'Afrique proprement dit, tu es propriétaire de deux pourvoiries au Québec, puis deux foutu belles pourvoiries, Coin la Vigne, puis Renard Bleu, qui n'ont pas à refaire leur réputation. Quiconque est allé là, sait un peu de quel bois se chauffe Sylvain Turenne, dans le sens où est-ce que Sylvain, tu la réputation de rien faire à moitié. Toi, quand tu décides de faire un camp, tu fais tout qu'un camp. Ben oui, moi, tant qu'à faire de quoi, j'aime mieux le faire comme il faut, puis tu as raison, c'est la clientèle. La... Elle a appris à me connaître. Quand ils viennent et qu'ils voient ce que je fais, ben, ils ont envie de me suivre dans mes autres aventures. Euh, J'ai des clients d'Afrique. La, la majorité viennent de mes pourvoirs. C'est des clients que je connais. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, chassais-tu en Afrique, toi, avant? T'avais-tu une expérience de chasse en Afrique? puis C'est ce qui t'a motivé à acheter là-bas? Ben oui, ça a commencé par un voyage en 2010 en me disant il faut que je voyais ça une fois dans ma vie j'ai j'ai jamais sauté une année par la suite. J'ai toujours été. Fait que J'ai commencé à rêver à l'achat, je te dirais, peut-être en 2015, mais vraiment comme un rêve. Puis en 2018, ben plus approfondi, magazine, visite, promène, euh, puis l'Afrique du Sud, comme tu sais, c'est immense. J'ai oui. visité euh, cinq provinces d'Afrique du Sud avant de trouver le sport que je cherchais, le coup de cœur, puis c'est euh, en Liston Cape proche de la mer, là, dans le sud-sud de l'Afrique du Sud qu'on a trouvé il y a trois ans. Pour vous situer, tout le monde, là, vous êtes habitué, on vous parle des chasses, que, tu, on est client en Afrique du Sud, nous autres, on n'est pas des brokers ou encore des agents de voyage, on est client en Afrique du Sud. Mais on est tout le temps totalement au nord de l'Afrique du Sud, frontière Zimbabwe euh, et Botswana sur le long du Limpopo. C'est une réalité qui est vraiment très, très, très flatte, très, très plate. Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans ce coin-là. Vous connaissez les animaux, vous connaissez la réalité de la province Limpopo en haut. Sylvain, lui, est à l'autre extrémité complètement. Ce qui veut dire que quelqu'un qui, par exemple, part de Montréal, passe par l'Union européenne, il s'en va sur Johannesburg ou il descend directement à port elizabeth euh, tu s'en vas direct à Johannesburg, ensuite un dernier petit vol d'une heure et vingt, une heure trente. Puis selon les forfaits qu'on vend, comme les, certains safari photo, il y a un vol direct de Londres ou de Paris vers euh, Cape Town aussi. Okay. qui était okay. Pas très okay. loin, quand, quand on fait la route des vins. Euh, on fait souvent des vols directs à quelqu'un temps. Ça, ça va m'intéresser. Ça, ça va m'intéresser beaucoup, beaucoup. Parce que là, vous allez voir, ce soir, on parle à quelqu'un qui, qui offre une expérience aussi là-bas. On parle pas seulement que de récolte animalière, mais on parle d'expérience. On parle de, de plan de match pour remplir votre boîte à souvenirs sur un moyen temps. Parce que là, la, avant même d'aller dans ce que tu fais là-bas, etc., la réalité de ton secteur, moi, je la connais pas. Je suis jamais allé dans ce secteur-là. D'abord, es, ce sont des villes côtières. Tu es proche de l'océan, toi-là? Euh, ben, une heure, environ une heure et vingt, une heure et demie de l'océan. Euh, on n'est pas tant loin à vol d'oiseau, c'est 45 km, mais comme tu dis, on est dans des terrains très montagneux, fait que le chemin n'est pas en ligne droite. Euh, c'est des vallées euh, remplies de spec boom. je ne sais pas si tu connais la plante, c'est des, des, des arbustes de 1 à 3 mètres de haut, que d'une feuille très, très nutritive pour les animaux, fait que c'est pour ça que notre région est remplie d'animaux. Puis que le l'Eston kate notre région, est réputée pour euh, son spec boom, ça s'appelle. Mais Ça veut dire que les gens qui viennent dans ce secteur-là, Pierre, vous nous allez voir. Inquiétez-vous on va rentrer dans, 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 dans l'Outfitter euh, éventuellement, là, qui est un, une réserve privée dans le côte Sylvain. Ça veut dire que avant même d'aller récolter des animaux, il y a alentour de toi tout plein d'expériences que tu peux faire vivre aux gens en dehors de la chasse, avant même de toucher aux animaux ou de faire du, safi, du safari photo, il y a plein de trucs que tu peux faire faire aux gens chez vous. là. La première chose, c'est la ville de Grahamstown, qui est la ville la plus près. Euh, une ville universitaire, trois universités. C'est une ville, euh, euh, c'est une ville historique. Euh, okay. Il y a eu la guerre des Boers en Afrique du Sud. C'est ici que ça s'est passé, à côté de chez nous. Ça, c'est la première ville qu'il y a de beau à visiter. Il y a de l'histoire. Ensuite, euh, plusieurs grands parcs animaliers, des réserves privées ou des réserves euh, provinciales. Il doit y avoir une dizaine à une heure de route, une heure et demie de route autour de chez nous. Euh, ça, il y a beaucoup de parcs à visiter pour le fameux Big Five. Là, je vois, ensuite, des, je vois des photos que tu m'as envoyées. Là, mettons, comme les, les éléphants que tu m'as envoyés en photo, c'est dans ces parcs-là. Oui, exact. Il y a des éléphants. Quand on va au parc Ado, le parc provincial, c'est un immense parc. Ils ont 550 éléphants. Euh, tu vas passer une demi-journée là, puis quand tu as vu une centaine d'éléphants, tu as une mauvaise journée. <laughs> c'est énorme. Énorme. Puis les. Euh... Tu, ouais. me tu me parlais de, de sites historiques. Là. Je vois une bâtisse blanche dans ces, dans ces photos-là. Est-ce que c'est est -ce est ça dont tu me parles euh, Non, les, les photos des bâtisses blanches que je t'ai envoyées, euh, ça c'est le plus vieux vignoble d'Afrique du Sud à Cape Town. Oui, parce que ça c'est l'autre partie qui est tripant. Je veux dire, il y a des vignobles qui sont visitables à partir de chez vous sur la route pour aller chez vous. Tu peux carrément aller visiter ces vignobles là. là. Oui, puis il y en a vraiment beaucoup, énormément. Euh, je l'ai fait l'automne passé, puis je le fais en octobre prochain avec un groupe. Euh, c'est magnifique. On va à Cape Town. Il n'y a pas juste les vignobles à Cape Town. Le bord de la mer est magnifique, la ville. Puis on va au sommet de Table Mountain, qui est une des sept merveilles du monde aussi. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Euh, là, je vois des bords de mer avec. Euh, ça dit quoi, ça? Je vois des pingouins. cest des pingouins? Oui, à Cape Town aussi, il y a une réserve naturelle que c'est le, le gouvernement qui gère cette portion-là. Puis on la visite lors de notre euh, du safari qu'on offre pour Cape Town. Ouais. Ça c'est très très hot, très très hot. Puis tu sais, je veux dire ça veut dire que chez vous, quelqu'un peut former des groupes puis diviser sa semaine ou encore prolonger là, parce que souvent de plus en plus on le voit, hein, on a des chasseurs qui viennent sur les pourvoiries en Afrique du Sud et qui vont prolonger de on a vu jusqu'à un mois là, de prolongation après la chasse pour aller faire des activités comme ça. Mais un groupe qui vient chez vous, qui voudrait scinder sa semaine en deux, entre soit la chasse et le safari photo et ces activités-là, est-ce que c'est un, est -ce est une possibilité que tu offres? Oui, c'est une possibilité. Il est même très populaire. Euh, J'ai de plus en plus de personnes qui voyagent en couple, euh, dont la femme n'est pas friande de la chasse, mais elle aime elle suivre son mari. Donc, quelques jours de chasse, quelques jours à la mer, les safaris photo... On peut additionner ça à la route des vins, ou si on n'a pas autant de temps, à 3-4 heures de route de chez moi, on, a, on loue une villa. Puis il y a plusieurs belles activités avec un vignoble. On va aller dans un sanctuaire d'éléphants, flatter, brosser les éléphants. Il y, a, il y a beaucoup à faire dans la région. Puis moi, j'ai été surpris pour les amateurs de vins. Hein. Moi, je suis un amateur de Cabernet Sauvignon, entre autres. L'Afrique du Sud fait des Cabernet Sauvignon, mes amis, qui sont assez hallucinants. On se dépayse pas mal. On est tombé sur des cabernets Sauvignon, là, aussi testostérone, puis aussi, euh, aussi terroir que ce qu'on va retrouver, par exemple, là, en Californie. C'est quelque chose de très organique, quelque chose de trippant, limite cuir puis cerise, euh, cerise noire. C'est assez hallucinant. Puis ça, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer quand on va en Afrique du Sud. Les câbles, là-bas, sont mongols. Oui, c'est énorme. Il y a plusieurs belles endroits, mais l'Afrique du Sud est surtout réputée pour son pinotage. C'est okay. unique à l'application. Ça, tu vois, je vais demander en haut, ou quand on va aller te visiter, là, parce qu'éventuellement, on, on, va, on va faire un tour chez vous. Parce que vous avez raison, là, je le vois passer, je l'ai vu passer dans deux commentaires. Euh, écoute, tu as la gang de Born to Hunt qui travaille avec toi, évidemment, qui vont tourner chez toi. Ils ont déjà été faire une émission, on va en refaire d'autres. Puis c'est, je pense, c'est une belle façon, si vous voulez voir un peu l'action là-bas, voir comment ça se passe. Bien, ces émissions-là, c'est pas pour rien que des gangs de fous là, qui décident de prendre les avions et d'aller filmer à gauche et à droite. C'est pour vous ramener de l'image puis vous montrer comment ça fonctionne. Ces gars-là ont fait l'effort de le faire. Allez voir les émissions de Born to Hunt en Afrique du Sud. C'est chez Sylvain que ça s'est passé. Vous allez voir un peu la réalité, la réalité, qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous autres, on se promet d'aller te visiter euh, éventuellement, fait que tu garderas un petit peu de pinotage à la limite. On, on s'organisera pour en <laughs> ramener par ici, mais je vais assurément le demander, mais qu'on retourne, qu retourne en haut. Maintenant... Il y a une grosse différence, puis tu en as parlé un petit peu. Je veux, je veux qu'on avance un peu là-dedans. Au niveau géologique entre là où est-ce que moi je chasse présentement le nord de l'Afrique et chez vous, c'est que nous autres, c'est des flats, complètement. Nous autres, c'est des montagnes. Donc, la chasse est totalement différente parce que tu ne peux pas te déplacer de la même façon, tu ne peux pas stalker de la même façon non plus. Là. Euh, non, c'est vraiment différent. De limpopo, pour l'avoir chassé à quelques reprises. Il y a beaucoup plus d'arbres, et comme tu dis, c'est très plat. Ici, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus montagneux et beaucoup plus d'arbustes. Euh, donc, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus fun. Puis, je dis pas, c'est facile, mais non, c'est pas facile. Mais on peut faire énormément d'approches. Je dirais que 95 de nos chats sont tous à l'approche. C'est ce qui rend la chasse agréable ici. Ça, ça veut dire qu'on débarque vraiment du troc. On s'en va, va dans le bush, puis on avance jusqu'à l'animal en essayant de pas se faire repérer. Ce que vous voyez dans ce genre d'émission-là. Ouais. Exact. Ce qu'on fait en camion, c'est qu'on fait du repérage, on va sur les, les dessus de montagne, des hautes vallées, on, on, on repère le gibier, puis même quelquefois, on part à un bout du territoire, puis on marche tranquillement à bon vent, puis on découvre le gibier. On découvre du gibier en avançant, on ne sait pas sur ce qu'on va tomber. Ça, c'est pas mal tripant. Avant de se rendre à l'achat chez vous, bon, là, on a fait le trajet un petit peu virtuel tantôt, où est-ce qu'on passe par exemple par l'Union européenne, on arrive à Cape Town ou encore à Port-Élisabeth. De, de là… Explique-moi un peu comment ça va se passer. Là. Le, 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 parce que là, tu as des places disponibles, évidemment. On en parlera tantôt aussi. Pour 2024, tu es plein un peu. 25-26, il y a de la place. C'est une des raisons pour lesquelles on, on vous présente Sylvain aussi. Parce que là, vous demandez beaucoup de places en Afrique du Sud. Où vous demandez des nouvelles réalités. Bien, Sylvain peut vous en offrir une nouvelle. Première bonne nouvelle, vous l'entendez parler, non? il parle en français. Ça, c'est un gros blocage pour beaucoup de monde qui aller en Afrique du Sud. Si tu ne parles pas en africain ou en anglais, il faut que tu sois avec un groupe de francophones qui peuvent t'aider. Dans le cas de Sylvain, dossier réglé, c'est en français. Là, le Québécois qui veut booker un avion, monter, te rejoindre pour aller à la chasse, comment ça se passe d'à partir du moment où est-ce qu'il atterrit à Port-Elisabeth ou encore euh, à Cape Town? Bon, ben, le début du voyage commence avec la réservation. On aide le client avec ses billets d'avion les papiers pour les armes à feu, s'il décide d'amener ses propres armes à feu. Mais ensuite, à l'aéroport, on le prend en charge directement là avec les PH, qui est les guides locaux. Puis ensuite, on s'en occupe du, du début à la fin. Il est toujours en, en bonne compagnie avec nous. Puis, avec les Québécois, selon les horaires des Québécois, j'essaie d'être avec eux sur tous les forfaits. Moi, je suis cinq mois par année, presque six, le printemps et l'automne, qui est, à mon avis, les meilleures saisons de chasse parce que s'il vient en décembre, janvier, février, c'est trop chaud. Okay. C'est vraiment trop chaud, c'est pas agréable. La question qui, qui nous est souvent posée, évidemment, au niveau de l'hébergement, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai connu, j'ai vu deux genres de pourvoiries, soit des lodges avec des chambres ou encore des pourvoiries avec des chalets. Chez vous, c'est quoi? À quoi je m'attends? Euh, c'est un lodge, j'ai 11 chambres euh, avec chacune une salle de bain privée. Euh, mais des chambres tu te sens pas c'est pas dans un hôtel parce que ta chambre elle a son propre balcon avec la vue sur les animaux puis à l'opposé tu as une autre porte qui te donne direct l'accès à, la, à la piscine dans une cour intérieure puis ensuite ben, il y a le, le salon la salle à manger le bar tout est, puis on est en, au milieu de la réserve, puis il n'y a pas de clôture autour. Donc, la nuit, là, tu peux te faire réveiller par un zèbre et brouter le gazon deux pieds là, au bord de ta porte, là, comme c'était le cas tantôt quand je me suis levé. Oui, je vois, j'affiche je vois, présentement, je ne sais pas si tu le vois. Là, donc on, ça, c'est une, une vue aérienne de la place où est-ce qu'on va. Dans le fond, c'est là où est-ce qu'on se, on se lève le matin on part à la chasse de là. Parle-moi un petit peu d'une journée de chasse. Là. Je me lève dans cet endroit merveilleux-là le matin. On rejoint évidemment nos guides. Puis là, on part à la chasse. Exactement. Il y a plusieurs horaires possibles. C'est le client qui est un peu euh, le patron là-dedans. Il y en a qui ont besoin de manger en se levant, d'autres qui, qui vont attendre à 9h ou 10h. Mais c'est ça, les horaires de repos vont en conséquence du client qui décide de son propre horaire. Mais Ensuite, il part avec son, son pH selon l'espèce choisie, selon les conditions météo, les vents. Euh, pis si le client a, est pas apte à marcher toute la journée, on fait plus de jeep, on fait des approches plus courtes. Euh, les pH sont là pour s'adapter à la clientèle. Ils écoutent beaucoup. C'est très, très différent. Les, les PH en Afrique ont des certifications et ils doivent se requalifier à tous les années, dans le sens qu'ils ont un certain nombre d'animaux à guider, dans par exemple les Plain Animal, Mountain Animal, les Dangerous Game, pour conserver. C'est totalement, totalement différent. Et c'est ce, quoi cette photo-là? C'est les enfants des écoles alentours? Euh, ben, c'est ça. Avec les photos, on l'offre. Euh, la plupart disent oui. Il y a une petite école de rang qu'on... Qu'on subventionne, si on pourrait dire. Là, on leur ramène un peu cool. de nourriture, ouais, on leur ramène beaucoup de, de matériel scolaire, des jeux. Euh, ils ont, parce que les, les écoles ici sont subventionnées par le gouvernement, mais surtout les hautes études. Okay. Euh, les petites écoles comme celle-là, j'y avais été à quelques reprises au début. Puis, une année, j'amène des clients. Puis, je commence commencé avec juste 5 6 élèves. d'habitude, il y en a une quarantaine. M'expliquer que cette journée-là, il n'y avait pas de, de nourriture pour nourrir les enfants, donc les parents n'ont pas amené les enfants à l'école. Ouais, et, voilà, et voilà. Je pense que je vois quelques photos de la place proprement dit. Là. Ah non, ça, c'est <laughs> le type d'arme qu'on utilise. On va y revenir tantôt, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la même chose. Excuse-moi, les photos sont toutes petites. Là. On, on voulait partager l'écran tantôt, mais malheureusement, là, avec le, le petit problème de connexion, je vois, les, je vois les images, puis je les vois au complet quand je les ouvre. J'essayais de retrouver. Non, ce n'est pas ta piscine parce que vous avez une piscine creusée aussi sur place, directement dans le lodge. Euh, vous avez une piscine creusée, ouais. c'est-à-dire qu'il y, y a un endroit de rassemblement au lodge qui est fort agréable à être, qui est un petit peu la place où à ce qu'à la fin de la journée, on, on se raconte comment ça s'est passé dans la journée. Il y a plusieurs endroits de rencontre selon les conditions météo. La piscine est très agréable. On a un braille proche de la piscine les, pour les journées de vent, exemple, pour être à l'abri des vents. À l'extérieur du lodge, un autre endroit de feu avec un, un, pour faire un autre braille. Euh, les brailles sont des barbecues africains, oui. pour les, ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, j'ai en ai un lac sur mon territoire où on fait de la pêche. Euh, on pêche du tilapia, de la carpe jaune, puis du poisson-chat jusqu'à une quinzaine de kilos. Euh, on fait un braille sur le bord du feu avec un beau coucher de soleil au bout du lac, c'est merveilleux aussi. On a une question qui rentre. Est-ce que c'est -ce est possible d'accueillir des gens à mobilité réduite de la façon que tu es, que es arrangé, toi, chez toi? Euh, oui, parce que tout est plat. Euh, c'est sûr qu'il y a une certaine limite aussi, là, mais oui, c'est. Exemple, les chaises roulantes fonctionneraient très bien. J'ai aucune, aucune marche nulle part, là. Très, très bien, très bien. Il y en a un qui dit qu'il faudrait que je gagne à l'automax pour me payer un voyage là-bas. On en parlait tantôt rapidement, là. Moi, c'est quelque chose qui. Tu sais, dans les. Je vous l'ai déjà dit, hein, Ça faisait déjà dix ans qu'on m'offrait d'aller en Afrique de différentes façons avant que j'accepte de le faire. quand j'ai accepté de le faire, c'est entre autres parce que. On arrive à des temps où est-ce que l'Afrique du Sud s'est développée en chasse, les forfaits sont rendus beaucoup plus accessibles. Puis très honnêtement, on peut facilement euh, comparer des forfaits en Afrique du Sud, puis même souvent, ça va être moins cher que certaines chasses sur le continent ici, à Lorient ou encore au Cercle de Virginie, à certains endroits. Mais on va y revenir tantôt. Non, oublie ça, même. Tu n'auras pas besoin du Lotomax pour ça. Nous autres, on a On a beaucoup de. Je dirais, puis ça, c'est ma, ma plus grosse fierté, là. nous autres, on tripe à tous les années à amener des gens qui... Souvent, on n'aurait jamais pensé sortir du Québec. Ils n'ont même pas de passeport. Euh, certains, même qu'on a monté, sont okay, trop anxieux. Je ne prends pas l'avion, je ne sors pas du Québec. Je ne parle pas un mot en anglais. Je parle... Mais, mais ça, a être, ça aurait été mon rêve de, de, de petit gars d'aller en Afrique. Mais ben, écoute, on, on va rendre ça possible parce qu'on première des choses, le budget. Et pas si élevé que ça pour y aller. Maintenant, rendu là-bas, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu récoltes comme animaux aussi. Si tu décides d'ajouter, puis d'ajouter, puis d'ajouter, ça, c'est une autre paire de manches. Mais si tu y vas dans les forfaits standards, c'est faisable. Puis la deuxième des choses, c'est que quand on part en groupe comme ça, ou qu'on vous envoie rejoindre des Québécois comme Sylvain, ben, là, ça devient faisable. On va vous accompagner pour le passeport, on va vous accompagner pour le booking des avions. On va, on va vous donner des trucs ou dans notre con, on va voyager avec vous autres carrément. On les amène là-bas, on les amène vivre ce trip-là, on les ramène ici. Généralement, ce qui se passe... C'est moi, Saint-Martin, qui dit ça. C'est Manon Pro qui disait ça. Bon, ben, Manon, tu n'as pas besoin de gagner au Lotomax, définitivement. Et généralement, ce qui se passe rendu là-bas, ce sont des gens qui nous ont dit avant de partir ben, moi, ça, ça va être un once-in-a-lifetime opportunity. C'est une fois, je vais y aller une fois, c'est mon rêve, je ne pourrai jamais y retourner. D'habitude, ils s'organisent pour euh, mettre de côté une autre activité, que ce soit la motoneige, que ce soit quoi que ce soit d'autre au Québec, puis ils se réservent un budget pour revenir aux deux ans. Ils n'ont pas grand-monde qui sont venus en Afrique du Sud avec nous autres, à date, qui ne reviennent pas par la suite. Joël, tu n'as pas de passeport, c'est pas compliqué. Que tu ailles chez Sylvain, que tu ailles chez Elan, que tu ailles chez Majidji, que tu ailles chez euh, Michel, que tu ailles avec euh, Mario, peu importe, si tu as besoin d'aide pour ton passeport puis tu sais pas vers où ligne appelle-nous ou écris-nous ou écris à ton représentant qui t'envoie en Afrique du Sud, il va te donner un coup de main, ou au moins te dire où aller et c'est quoi la marche à suivre. Généralement, les Québécois qui sont agents et qui bookent pour l'Afrique ou les provoyeurs qui sont là-bas ou encore des groupes comme nous autres, on vous aide là-dedans, il n'y en a pas de problème. Elisabeth, elle veut y retourner. On a beaucoup de monde qui sont venus en Afrique avec nous autres euh, qui sont présentement dans les dans les commentaires. Pis on avait nous autres hier soir notre meeting pour notre premier groupe d'Afrique du Sud ici. Euh, ça a été pas mal tripant. On part nous autres le 3. Puis justement, Quelqu'un nous posait la question, les bons mois pour aller chasser, euh, moi je connais la réalité en haut chez vous, les bons mois que tu recommandes pour la chasse, ça ressemble à quoi, Sylvain? Euh, je te dirais le début mars, à partir du début mars, c'est bon. Des fois, c'est un peu chaud. Donc, peut-être la mi-mars jusqu'à la fin avril, que moi je suis ici, c'est très bon. Euh, mai, juin est excellent aussi, mais ça rafraîchit toujours. Mais là, je suis plus... Mais j'ai du monde qui vient de pareil. ça n'est pas, pas un problème. Mais il n'y a personne qui va parler en français sur place qui sera pas là. Ensuite, euh, on parle de la même chose. Septembre qui est une très bonne période. C'est là que je reviens en Afrique fin septembre. Puis euh, octobre est merveilleux. Fin novembre commence à être chaud aussi un peu. Parle-moi de la nourriture parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises expériences qui reviennent d'Afrique du Sud. Une chose qu'on entend des fois, c'est qu'on manquait de nourriture ou c'est très 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 différent de chez nous. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Nous autres, on a de l'abondance en nourriture, puis c'est pas mal occidental comme présentation. C'est pas fâchant, ni au goût, ni dans l'estomac. Chez vous, ça se passe comment euh, ben, Premièrement, le monde prend du poids. C'est ça qui est <laughs> une des. C'est ça. <laughs> mais euh, ma femme euh, s'occupe beaucoup de la cuisine. On a une cuisinière, mais elle est vraiment, vraiment pointilleuse. Là on mange très très bien ça ressemble beaucoup à ce qu'on mange au Québec mais avec la touche africaine puis on fait découvrir des mets africains aussi on mange beaucoup de viande sauvage comme là, cette semaine dans le groupe de 10, j'en ai deux qui mangent qui mangent pas de viande sauvage il y a d'autres viandes de préparer pour eux c'est toujours adapté on, on, on se vérifie toujours les allergies alimentaires tout ça c'est parce que chez nous, on n'est pas déçus à la nourriture, sur, euh, on mange trop. <laughs> Généralement, les chasseurs qui sont sur place dans la semaine lorsqu'ils récoltent des animaux vont pouvoir goûter à ces venaisons de chasse-là. Oui, ben c'est ça. Les premiers jours, souvent, les chasseurs vont manger ce que les chasseurs de la semaine d'avant ont, ont chassé. Euh, ensuite, c'est sûr que ce qui tue au début de la semaine, on leur fait goûter parce qu'ils veulent goûter leur venaison. Pas définitivement, euh, on en mange régulièrement. Quand c'est des groupes de chasseurs, je te dirais qu'on mange beaucoup de viande parce que c'est ça qu'ils veulent manger, puis on s'adapte à la clientèle. puis honnêtement, c'est tripant de voir comment est ce que la viande, la, la viande des, des gibiers africains, oui, elle est différente. Mais pas de façon choquante avec qu ce qu'on mange ici. La fibre est grosso modo la même, le goût est grosso modo le même. Il y, a, il y a des petites surprises fois. On arrive, mettons, avec. Euh, moi, j'ai trippé le bushbock, on l'avait fait sur le braille en tataki. Puis, on venait juste, juste, juste de prélever le bushbock, puis on a fait le backstrap en petits en morceaux en tataki. Puis, c'est comme. Hey, on dirait du bœuf vieilli. Parce qu'on on dirait qu'il était déjà un peu assaisonné. Puis, pas assaisonné. Pas, pas goût de venaison là, désagréable. Là. C'était bon. C'était goûteux en tabarouette. Moi, personnellement, les Springbok et les Niala sont mes viandes comme favorites par chez vous, définitivement. Mais vous ne serez pas déçus de ce côté-là. C'est définitif. Maintenant, quand on arrive sur une pourvoirie au Québec, pourvoirie qui se respecte, euh, évidemment, il y a un chantier où est-ce qu'on va aller euh, tester ou voir si tout va bien avec les carabines. J -j -j en Afrique du Sud, nous autres, on l'a vécu. J'ai vu chez vous aussi que tu avais l'air à être installé avec un chantier. Hein. Oui, on a un beau chantier que j'ai qu'on a fait nous-mêmes quand j'ai acheté parce qu'il n'y en avait pas ici. Donc, une belle installation neuve. On a trois targets, 100, 200 et 320 mètres. OK. Quand même. Quand même. Et là, les gens peuvent arriver avec leur arme à feu. Mais l'autre option, s'ils ouais. n'amènent pas leur arme à feu, toi, tu peux louer des armes à feu là-bas? Exact. On loue des armes à feu. J'ai des arbalètes en location aussi. OK. Parce que là, je voyais dans les armes à feu que t'as, selon, euh, un Stoger, c'est un Stoger qui filme, ça, je me trompe. Pas un Stoger, mais un buriste qui filme, ça, si je ne me trompe pas? Ouais, ben c'est ça, on a vraiment beaucoup de calibres. On part du 204, petit calibre, pour souvent chasser la nuit. Puis on va jusqu'au 375. En ah, 375. Tu sais, c'est. Ouais. les gens qui. Les gens ont souvent peur. Là. Moi, j'ai été, été surpris en Afrique du Sud, comment est-ce que dans un premier temps, les premières armes qu'on m'a mises dans les mains, ça a été des Tikka et 3 euh, des, des, des Winchester Model 70, puis une marque fabriquée en Afrique du Sud, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui ressemble à des SAR ici, littéralement. Euh, moi, je n'amène plus d'armes là-bas, je n'amène pas d'armes là-bas. Les armes sont bien entretenues, on a des beaux calibres. Quand c'est des plus gros calibres, eh bien souvent, on, on est dans des modèles qui sont un petit peu plus pesants, puis n'oubliez pas que là, on chasse que très rarement à l'épauler Les guides ont un stick avec eux autres, donc un bâton de tir. Si on est dans le camion, on a de l'appui. Ce n'est pas fâchant. Hein? Tu dis jusqu'à 375 H&H, mais le calibre ouais. moyen avec lequel les gens, quand ils arrivent chez vous, vont faire de la petite moyenne antilope, ça ressemble à peu près à quoi comme calibre? Ben, le calibre le plus populaire, c'est le 300. Euh, S'il y en a qui trouvent ça trop gros, on a le 7 mm aussi. Euh, comme je te disais, on a vraiment beaucoup de calibres. Ils ont des silencieux, euh, le recul est vraiment minime, euh, ma 300, je trouve pas que c'est une 300 quand je tire avec, on dirait une 7 mm. Bon, mais voilà, et voilà, et voilà. Ça devient intéressant, puis c'est le fun au niveau du tir. Au niveau du tir, euh, moi, je vous, je vous invite à aller, euh, il y a des, des petits livres comme ça qui sont disponibles sur le web, nous autres, ça nous a été donné là-bas, justement, les shot placement », parce qu'on apporte beaucoup d'importance au placement des tirs. Généralement, ce sont les guides qui vont nous dire, par exemple, quand il est positionné d'une façon ou d'une autre, vise pour l'autre épaule, l'autre bord, parce que les placements des tirs, Sylvain, ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Québec. C'est différent, un peu comme au Québec, faut aider les gens à savoir le chasser, parce que pas tout le monde qui connaisse bien des zones vitales. Mais la veille, comme petite bière, quand on parle de la chasse du lendemain, on regarde les livres avec les clients, on leur explique les gibiers qu'ils ont à chasser le lendemain. Ça les aide, ça les déstresse aussi. Maintenant, on se rend chez vous. Là, je vais aller dans les photos que tu m'as livrées parce que je veux qu'on prenne la peine de regarder ça. Puis un peu de s'immerger dans ton, dans ton monde à toi. Je suis monté en haut. Ça, ça c'est une vue de où, hein, Sylvain? On était si où, là? Euh, ben, je n'ai pas de, de vision de ce que tu me manges. OK, tu ne le vois pas. On a, <laughs> c'est bon. On a, on, a deux zèbres, on a deux zèbres qui mangent l'herbe. Il, il y a une, gro une gros agave dans un pot avec un petit, un petit succulent qui pousse dessus. Là. Ben, c'est là qu'on prend. Ça, c'est une photo qu'on a prise le soir pendant le 5 à 7 en prenant une petite coupe de vin. Ils sont devant nous. Euh, devant le lodge, je mets toujours un petit peu de luzerne le soir pour attirer certains animaux. On a un petit champ nourricier. Tous les soirs, il y a des zèbres, des gnous qui viennent manger devant nous. C'est normal. Je vois des impalas aussi au loin. Puis il y a même un fichu de bel impala là. Les girafes sont très présentes sur votre territoire? Euh, oui, j'en ai euh, environ 26-27 girafes présentement, ouais. Ce qui est très, très bon. Springbok, là, je te vois en photo, tu es assis en Indien à côté d'un beau petit Springbok, qui est l'animal emblématique là-bas. Euh, dans, dans tes offres, on regardera un petit peu, un petit peu après les, le type de forfait que tu offres, mais dans, dans tes offres, par exemple, animaux à la carte, est-ce que tu t'offres le Springbok standard? As-tu des déclinaisons de couleurs dans le Springbok? Oui, ben on a le commun, le noir, le blanc, le copper et le calari. J'ai euh, une photo un petit peu plus loin. Je pense que c'est des bébés Impala, par exemple. Je vois un Saddleback, un noir, un standard, puis un blanc. C'est du Springbok, ça? Non, c'est de l'Impala, je pense. C'est tout de l'Impala. Le blanc, il s'appelle... C'est un Impala à flanc blanc. Le, le vrai le nom. White, le White Flank, oui. J'ai réintroduit les trois autres couleurs qui sont disponibles chez nous sur mon propre territoire, oui. Ça, je, ça, l'ai fait, gang. Moi, j'ai fait les quatre couleurs d'Impala. J'ai complété mon, mon, slam, mon, mon palace slam l'année passée. Là, ce sont des, ce sont des, soit des, des, des bébés que vous voyez présentement, mais c'est pour vous représenter les couleurs. Mais regardez à, à quel point l'hypermélanisme, le noir et le saddleback, qui est celui à votre extrême gauche, même les fanaires, c'est-à-dire même, même le sabot est noir. Alors que à votre extrême droite, le white flank qui est là, même les sabots, sont beaucoup, beaucoup plus pâles, sont même littéralement blancs. Et ça, c'est un fichu de beau white flag. Là. Il y a vraiment la tête blanche au complet. Le mien n'est pas aussi blanc que ça. Mais ça, c'était un but que j'avais, honnêtement. J'adore les euh, Et Je te dirais que c'est une autre chose que je veux parler avec toi. On va, on va montrer d'autres photos. Tu as des forfaits, euh, mais je veux entendre le gars qui chasse au Québec puis qui chasse en Afrique. Euh, me parler un peu de ce, qui, de ce qui appelle le plus les Québécois quand ils descendent là-bas, parce que nous autres, on a eu à se positionner un petit peu quand on a commencé à aller en Afrique du Sud, à dire, ben nous autres, on, on aime aller vers des gabarits qui ressemblent un peu aux cervidés qu'on va chasser ici. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible de vivre des expériences avec des animaux. Si on entre là-dedans on parle un peu des animaux que tu offres, ça ressemble à quoi l'amalgame? Là, on a vu l'impala, on l'a vu bébé, par contre. On va en montrer des, on va en montrer des adultes. tu en as dans tes photos, donc inquiète-toi pas, je les montre pendant ce temps-là. Je vois ici. La d'animaux chez nous est assez large. Euh, certains animaux ne sont pas nécessairement disponibles sur mon territoire. On a des ententes avec les voisins mmh. où il y en a. Parce que comme je vous expliquais tantôt, la topographie est tellement différente ici. À quelques kilomètres, tu vas arriver dans une prairie, que là, on va retrouver les Black wildebeest, les Red wildebeest, ces animaux-là qui ne vivent pas bien chez nous parce qu'il y, y a trop de bouches, c'est plus des animaux de plaine. Okay. Mais le Québécois qui aime chasser le chevreuil, il va aimer chasser le ça c'est à coup sûr. Puis celui qui aime chasser l'ornial va aimer déjouer le coudou à l'approche, ça c'est inévitable. Je vais, je vais ouvrir les photos que j'ai devant moi, je vais te dire les animaux que je vois, Alors on va en parler un petit peu, euh, on va en parler un petit peu un en arrière de l'autre parce que je pense que ça devient, ça devient pas mal intéressant, puis c'est là que les questions commencent à popper. Euh, Sable, très bel animal, c'est un fichu de beau trophée. As-tu du Sable et du Ron Antelope? Euh, j'ai pas le, le, le Rowan chez nous. On l'a de disponible sur d'autres terrains, comme j'expliquais je, avec nos des concessions voisines, mais le, le Sable, j'allais chez nous, euh, naturellement, j'ai des familles de Sable chez nous qui produisent. J'en ai justement un dernier petit bébé, là, la semaine passée, euh, qui est venu en, qui, qui, qui est venu au monde hors saison, si on veut, des naissances. Est pas, on est en période d'accouplement ici qui va commencer bientôt, puis on a une petite naissance surprise. Hein. Ça, c'est cool. C'est un très bel animal. J'en ai récolté un l'an passé. C'était un de mes gros goals, je dirais, avec le, avec le coup doux, évidemment. Là, j'ai fait les deux. Ça, je suis super content. Dans les très beaux animaux aussi, au niveau format, euh, format si on veut, chevreuil, j'ai un Blessbuck devant moi. Là, c'est le Common blesbok que je vois. Animal qui est assez spécial aussi. C'est comme, comme si on avait fait un entre-deux entre, entre l'Impala et le Red Hearted Beast. tu <laughs> ouais, ouais. t'en as quand même beaucoup sur le territoire aussi? Euh, oui, non, en, chez nous, j'en ai, pas en quantité énorme, parce que c'est un animal qui s'adapte moyen à mon territoire, mais dans les plaines juste à côté, sur une autre partie de la concession, là, il, il se tient beaucoup plus. Là. Les, les animaux ici vont se c'est vraiment, ils se sont adaptés à leur territoire. Euh, quand es dans les montagnes, tu retrouves plus les Niala, les Waterbucks, les Kudus, euh, qui sont bien dans cet ce endroit-là, puis les, les animaux de plaine. Se regroupent en quantité énorme. J'ai vu des champs de Springbok à, à une dernière heure de route de chez moi, une, une place avec qui on fait affaire pour amener des clients. Il y avait plus de 1000 Springbok dans le champ. C'était hey, un miracle. C'était merveilleux. Quand on ne les appelle pas Spring pour rien. Quand on se met à les voir sauter dans les airs, là, les quatre pattes comme groupées au centre, c'est assez hallucinant comme comportement. C'est l'animal emblématique africain aussi. Toutes les équipes sportives portent le nom de Springbok là-bas. Là. Hmm? Littéralement. Je vois quelque chose d'autre qui est euh, très en demande. Ça dépend, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui, qui adulent cet animal-là. Il y en a d'autres à qui ça ne dit absolument rien. Le facochère, donc le warthog, euh, c'est aussi ouais. quand même un défi à chasser un warthog. Oh oui, c'est un animal très nerveux, qui est dirait même très, très difficile à approcher et à chasser. Euh, te donner un exemple, le québécois est un peu moins attiré, malgré qu'il est emblématique aussi d'Afrique du Sud. Oui, c'est unique au pays. Euh, la semaine passée, j'ai eu un groupe de, de Français de France. Euh, c'est pas compliqué. Ils en ont pris deux, trois, quatre chacun. Euh, les autres, ils triplent. C'est comme le, leur cousin du sanglier. Là. Ils ont eu un plaisir fou à en chasser. Les euh... autres, eux autres sont maniaques du facochère. du facocheur. Le facochère, ce qu'on regarde là-dessus, à comparer à par exemple un chevreuil où est-ce que le trophée, c'est le panache, le facochère, c'est vraiment les tosques, vraiment les défenses en avant qui sont de, qui sont qui sont le, 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 le... Le Trophée, si on le veut. Ça, c'en est un beau. T'es posé en pleine face dans le gazon avec un à côté de toi. Là. Ça, en est, ça en est un beau. Là. <laughs> très, très beau. Ouais. Octobre dernier. Ouais. Même moi, à chaque année, j'en tire pour deux raisons. Parce que j'aime trop la chasse. Puis j'aime aussi trop sa viande qui est merveilleuse à manger. Très, très, très bonne viande, effectivement. Là, ce que je montre présentement, c'est un. Je pense que c'est un black wildebeest, par exemple. Tu as le silencieux juste au-dessus de la tête de l'animal, quand même, ouais. un, des, gros, des grosses cornes. C'est un black wildebeest. Il euh, y a trois couleurs, Sylvain, dans le wildebeest. Euh, As-tu accès comme au golden, au black et au blue en bas? Euh, non, dans ma région, le black wildebeest, on a seulement avec lui. Euh, pour le blue, ben, on a le blue wildebeest aussi, oui. le golden She quand même en abondance. Mais ce qui est populaire de plus en plus, que je n'ai pas encore chez moi, mais que j'en ai proche, il y a le King Willoughby's, le Glacier Willoughby's, il y en a plusieurs euh, maintenant. Ça, entre moi et toi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais aller faire un tour chez vous. <laughs> Parce que ça, on ne peut pas. Tu sais, c'est ce que je disais aussi à la gang qui voyage avec nous autres. Je disais, éventuellement, on va vous offrir d'autres opportunités parce qu'il y a des animaux que vous pouvez récolter ailleurs. Entre autres, si on fait les Tiny Tens, ben, les Tiny Tens, ça va requérir d'aller parcourir plusieurs pays d'Afrique. Pas juste l'Afrique du Sud, mais plusieurs pays d'Afrique. Puis euh, le plus petit, qui est le Blue Diker, si je ne me trompe pas, euh, celui qui ouais. chasse au fusil, euh, ce n'est pas, pas partout. On a ça chez nous. Puis regarde, je vais t'en montrer un justement un tout petit juste ici. c'est J'ai la main dessus. Là, là les fini. gens font le saut là, Quand on monte ça. Parle-nous -parle de ces petits animaux là parce que si c'est pas un bébé là, c'est un adulte Oui ben, lui c'est un adulte. Euh, il est pas tellement gros euh, mais il est vraiment adulte. Euh, mais c'est vraiment une chasse euh, sportive. On chasse ça avec les chiens. On peut chasser à l'appui aussi. Mais au fusil, avec des chiens, puis ça passe plus vite qu'un diable, c'est... Moi, ça m'en a pris trois avant d'être capable d'en tirer un. Le premier, je n'ai même pas tiré, j'ai laissé figer. Ça a <laughs> passé comme une flèche, puis et... si on ne touche pas à ça. <laughs> Mais ça, c'est un, un petit peu en opposition au Big Five. Les gens commencent à faire le Tiny Tens, donc les dix espèces de petites antilopes comme ça. En haut, nous autres, on fait le Steenbuck et on fait le... On fait le Grey Diker, entre autres, mais il y a le Dick Dick, il, il y a énormément d'autres espèces. Et c'est pour ça que je vous disais, gang, surtout ceux qui sont habitués de voyager avec nous autres, faut descendre sur la East Cape pour aller faire d'autres types d'animaux. Puis là, ce soir, on vous présente quelqu'un qui peut vous accommoder, en français en plus, quand il est là, avec une une, une qualité d'hébergement et une qualité de nourriture qui est hors pair allez-y chercher ces animaux là là bas présentement je monte ça je pense que c'est un bushbuck tu as un ami au sol en camo avec des lunettes euh, ouais. c'est un sparrow horn c'est dé, définitivement un bushbuck mais il est pas il a pas la même coloration de pelage que ce qu'on voit au nord par exemple exactement c'est le bushbuck du cap euh, c'est un des quatre français qui sont venus chasser la semaine passée, c'est une photo très récente, Ça là n'a même pas été publiée encore sur mes sites. La viande de cet animal-là, c'est incroyablement bon. Je ne sais pas si le bushbuck du Cap goûte la même chose que le, bu le bushbuck dans le coin du Limpopo, mais c'est hallucinant. J'ai mangé les deux, mais pas dans la même année. Il que... <laughs> n'y a pas grand-viande ici qui ne sont pas bonnes, ils ont tous une petite différence. Euh, même l'année passée, on a mangé de la girafe. Euh, on a eu un chasseur qui, qui a fait une girafe. Puis ils ont voulu goûter. Puis on l'a mangé en trois fois. Il a fallu la faire mariner trois semaines avant d'arriver à une certaine qualité de viande. C'est bon, mais c'est pas la meilleure. C'est pas. Euh, mais on l'a pas gaspillé. Il n'y a rien qui s'est gaspillé, ça a tout passé en saucisse. Ben et voilà, et voilà. Là présentement, je monte un coudou. Le coudou qui est présent sur la est-ce que c'est le même que nous autres, que moi je connais dans le Nord. C'est tu, c'est tu le, le grand coudou celui-là Non, euh, par chez vous, vous avez le Great Coudou, qui est le grand coudou. Oui. Par chez nous, c'est le du Cap. Puis il y a comme une sous espèce qui est le Sartan Coudou, qui est un mix du grand coudou et du coudou du Cap. Oui, je le vois. Tu as deux photos. C'est le deuxième qui a une oreille un peu déchirée. Euh, Peut-être. <laughs> je ne <le> vois pas. <laughs> c'est bon parce que tu en as deux. Il y en a un qu'on on voit pas le zébrage, là, le, le côté de Livingston sur le côté. Sur le deuxième, on voit un petit peu le zébrage. Ah, okay, ça doit être ça, ouais. Et voilà. Donc, coudou, c'est aussi, on l'appelle le Grey Ghost, C'est pas pour rien, c'est aussi un certain défi d'aller récolter un beau mâle Kudu, là. Euh, pour te donner une idée, c'est sûr que je pas... Euh, comme cette année, je n'ai pas chassé... Euh, j'ai chassé juste un facochère depuis un mois et demi. Je <laughs> ne manque pas de temps. Euh, je n'ai pas, pas fait de tentative, là, mais l'automne passé non plus, parce que je sortais d'un grave accident que j'ai passé, là, malheureusement, l'été en chaise -boulant. Mais L'année passée, j'ai passé, je te dirais peut-être, cinq ou six avant midi à faire des accroches sur un d'eau à l'arc puis ça n'a pas été conclu encore. J'ai fait des belles approches. Des fois, je, je n'avoue d'être à 50, 60 pieds de la bête, mais ouais, il y a vraiment beaucoup de bouches. Hein. Il, il y avait trop de branches, il s'est pas dégagé. Fait que j'ai pas réussi encore. Là, il y a des, des questions qui rentrent par texto sur Radio Crash, mais j'en ai aussi sur Twitch. J'en ai aussi un petit peu partout parce qu'on diffuse aussi sur euh, anciennement, twi anciennement Twitter qui est rendu X sur Twitch, sur euh, YouTube, sur Facebook, sur Radio Crash, puis sur la plateforme. Là, on va remettre le lien en commentaire pour aller vous connecter sur la plateforme parce que vous êtes plusieurs qui semblent vouloir euh, aller rejoindre le chat parce que c'est ce qu'il pense, sa de la plateforme, c'est qu'il y a vraiment un chat sur la plateforme. Et si on se fait vous ne vous ferez pas couper. Je vous rappelle en même temps... Très, très important. Il y a plusieurs prix à soir. Là. On a un, un boombox, a vraiment un Extreme 3, un JBL, Bluetooth pour écouter votre Radio Crash. On a 4000$ qu'on annonce tantôt de, 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 de prix du côté de Browning. Là. Un Browning A5 avec un kit complet pour la sauvagine euh, en auric. Euh, C'est quand, quand même pas n'importe quoi. Puis on a le concours Winchester Repeating Arms Canada. Je vous rappelle que en vous rendant sur Radiocrash.ca ou en cliquant sur le lien Radio Crash sur le site, euh, vous cliquez sur le Concours, remplissez le formulaire, risquez de gagner la chance ils n'ont pas risqué mais courir la chance de gagner un Winchester SXP Longbeard offert par Winchester Repeating Arms Canada qui est le nouveau présentateur officiel de Radio Crash si vous n'avez pas Radio Crash allez chercher les applications mais là je vous répète une chose pour ceux qui sont dans le chat présentement sur Facebook j'aime pas ça voir des chiffres sur Facebook comme ça moi j'aimerais ça vous voir deux connectés sur Facebook puis le reste sur le site internet parce que déjà présentement vous êtes Beaucoup plus sur le site Internet que sur Facebook, mais c'est sur le ce site Internet qu'il faut être. Puis tant qu'être sur le site Internet, allez cliquer sur le petit bonhomme dans le haut de la page, ouvrez-vous un compte. C'est gratis, on ne vous charge pas pour ça, mais ça va être la façon de regarder les streams bientôt, question de pouvoir les sécuriser puis de vous donner accès, qu'on ne se laisse pas couper par personne. Puis je vous rappelle que quand je ne mets pas d'argent sur Facebook pour faire de la publicité, ça veut dire qu'on peut acheter des plus gros cadeaux pour attirer tiré sur le site Web. Fait que go sur le site Web parce que nous autres, on déménage de Facebook dans pas grand temps excuse moi il fallait que je fasse ce petit bout-là parce que je voyais les, les commentaires rentrer. Le prochain que je vais vous montrer, moi, ce n'est pas mon animal préféré, mais c'est l'animal le plus rapide d'Afrique du Sud après le site et on parle du Red Hearted Beast. Quand on parle de défi, les, les animaux en Afrique sont solides. Celui-là, quand tu ne snappes pas comme il faut puis qu'il décide de partir à la course, ça peut prendre un bout avant de leur voir. Hein? T'as raison. La plupart des animaux aussi, même, je te le dirais, la majorité sont solides. C'est effrayant. Mais le Rug of the bee, est vraiment spécial. Tu Toi, tu dis que tu tripes pas dessus. Puis moi, je l'aime parce que je trouve tellement différent que son long front, c'est comme un type ces couleurs rouges. Moi je ne je te dis pas que c'est mon préféré, mais c'est une bête que j'adore. Ben, euh, Ralph Colgan, quand il est allé en Afrique du Sud, c'est drôle parce que je suis rentré chez eux pour faire une réparation sur un arbre. Puis je vois, je vois un Red Hearted Beast dans les. Ah, il dit Moi, il dit, je suis malade de sais, C'est une beauté sublime. Il dit, je dis Écoute, tous les goûts sont dans la nature. C'est une préférence personnelle. Moi, quand je regarde le Red Hearted Beast arriver, je suis comme Bon, on va le regarder courir, c'est tripant. On est tombé l'année passée. On est allé dans une concession voisine. J'ai vu mon premier TCB l'année passée. Et il ne s'est jamais rendu compte qu'on était là. Puis quand le guide de, la, de, la, de cette concession-là a reparti le moteur, il a fait un saut, puis il est parti à la course. J'ai ouais. compris ce que c'était que l'antilope le plus rapide d'Afrique. Le TCB est excessivement rapide. Le prochain animal, c'est un animal qui, euh, pour ceux qui, qui, qui aiment le cerf rouge et ses formats-là, c'est drôle, mais moi, ça m'a fait penser à ça la première fois. Le waterbuck, c'est le souhait de Kate cette année. Kate, elle s'en va sur un waterbuck. C'est ce qu'elle a. Elle a écrit un nom sur sa fiche pour l'Afrique du Sud cette année. Waterbuck. Quel bel animal. Oui. puis vraiment gros, massif aussi, encore une fois. Je le trouve énorme sur des pattes trop courtes. Quand tu le regardes comme il <laughs> faut, il <y> a vraiment <laughs> un gros raison. body, mais pas de longue pattes. Mais c'est un animal, encore une fois, majestueux. C'est des... ça que j'aime de l'Afrique. Il y a tellement de variétés d'animaux, de variétés de, de cornes après ces animaux-là. Oh oui. Mais c'est un animal qui est... en période très chaude au Dimpopo, même que tu y ailles, s'il fait très chaud et sec au point d'eau. Un... Il porte bien son nom et il doit boire deux fois par jour, cet animal. Exactement. Il ouais, y en a des particulièrement gros là, où est-ce qu'on est. C'est -ce qu pour ça que Kate, cette année, elle veut aller vers un, un waterbuck. Tu as une photo particulièrement belle. D'ailleurs, la lumière est sublime. Tu es avec ton chien derrière un waterbuck. Euh, ça en est un beau. Il y a de la corne après ça en tabarouette. Ouais, lui, il est à et pouces. Ouais. On, on considère, on considère dans à quelle grandeur un trophée waterbuck? Bien, ce qui est représentatif trophée là, pour un client, normalement c'est du 26-28 pouces. Mais on limite pas le client à dire oh Non, il est trop gros, tu ne tires pas On est au contraire. Plus qu'ils sont gros, plus qu'on est content. Parce que le client, s'il si est content, on est content, puis il nous ramène, il peut juste revenir et nous ramener du monde. Il n'y a pas de limite. Certains animaux, comme tu sais, comme le sable l'exemple, le prix va avec une grandeur de de cornes, mais le waterbox, c'est plus tu gros, plus qu'on est content. Là. Et, et voilà. Et voilà. Puis ça, c'est quand, quand, quand tu prends un forfait, là, par exemple, on prend un forfait chez vous, là, on va continuer, a, inquiétez vous pas des animaux, il y a de la question qui rentre. Euh, quand tu prends un forfait, euh, le forfait, c'est pour les animaux de grandeur commune. Si tu veux, si tu as une commande plus grande, il faut aviser avant d'y aller. C'est ce que je comprends bien? Ben, c'est variable. On regarde, même pas là. C'est à hall de limite. Moi, surtout que c'est un mâle adulte, quand même, qui est à 22 ou 25 pouces, il n'y a pas d'extra. OK. Un impala, il Il y a juste certains animaux comme le buffle le sable, euh, je pense que c'est les deux seuls qui me viennent vite à l'esprit. Les autres, il n'y a pas de grandeur. Là. Si tu vas au coudou, là, et tu tues un 5 pouces plus grand qu'un homme, tu n'as pas d'extra payé. Si c'est un coudou, tu as Ça, pas cool. d'extra payé. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Je montre un autre animal qui est, moi, un des animaux qui me fascine le plus là-bas, on dirait, qui sort d'avatar, le niala. Le niala, c'est particulier comme animal. C'est beau en hein, maudit. Puis ça fait partie du. Je vais t'amener là-dessus tantôt, les. les, les, les euh, voyons, excuse-moi, les, euh, les slams qu'on peut faire. Lui fait partie du Sparrow Horn Slam, le niala. C'en est, -tu, en est -tu une qui est résidente? C'est une espèce qui est résidente chez vous, le niala? Oui, chez nous, le niala, c'est naturel. Même les. Des territoires où il y a des cultivateurs où il y a des, euh, qu'il a pas de chasse, il n'y a pas de haute clôture ou qu'il n'y a pas de basse clôture. Le Niala est partout dans les Cape. C'est il, il est naturel, il est chez lui. Et comme tu l'as dit, il est merveilleux. Juste avoir marché, réagir quand deux mâles se rencontrent, ils font comme une sorte de danse. C'est vrai. C'est de toute beauté cet animal. C'est un animal qui est joli du visage, du corps, des pattes, de partout. Il y a des couleurs magnifiques. Il y, a, il, y a une, il y a une légende qui dit, puis on, on voit pas tous les points sur le côté du visage, là, mais on voit les marquages sur le, le, dans le bas de l'œil, au museau. Là. Il y a une légende qui dit que c'est la, la marque de Dieu. Une légende qui dit que les points sur le bord de la mâchoire, c'est les doigts de Dieu qui étaient déposés là. Et de ses pouces, il aurait béni l'animal en faisant, en, faisant en faisant un geste, en écartant, en disant ⁇ You will be beautiful ⁇ qui est une légende. Puis vous retrouvez ce marquage-là sur le coudou aussi. On retrouve ce marquage-là sur le, le, le bushback un petit peu moins. Et le, le quatrième Sparrow Horn, après lequel on court, dépendamment où est-ce que vous êtes, il y a l'élan du Cap, et il y a l'élan de Livingston. Est-ce que ça, tu en as dans ton coin aussi? Euh, ben, je vais te montrer quelque chose, tu me diras si j'en ai. Je ne sais pas si tu vois bien derrière moi. Hein? <laughs> il est beau à ta barouette. Chez <laughs> ouais. nous, on en a beaucoup. Ouais. Puis C'est euh, des familles qui se reproduisent vraiment facilement chez nous, même que... À une vitesse phénoménale. Quand j'ai acheté ici, j'en avais pas beaucoup, puis j'ai dit à mon gérant, on va fermer la chasse à <coughs> l'élan de temps que la population monte. Puis ça a été vraiment beaucoup plus vite qu'on a pensé. Là, où j'ai un, un très bon mal de... qui, qui as performe. Il pas eu un Starbucks de la place. <laughs> il ouais, il Évidemment, chez vous, mais on, est sur, on est sur le Cape, donc c'est le, le Cape Elan, l'élan du Cap qui est, qui est présent. Ouais. As-tu des opportunités Exactement. pour le, 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 le Livingston aussi? Euh, oui, mais un peu plus difficile. Ça, c'est des bêtes, exemple, qu'un chasseur est intéressé, il doit me le dire avant l'arrivée qu'on prépare sa chasse, trouver l'endroit où on va aller le chasser, mais oui, ça se fait. Génial, génial. Maintenant, je veux rentrer un petit peu plus dans le euh, comment on fait pour aller chez vous. Dans un premier temps, sur le site, je vais vous mettre, je vais vous mettre dans les commentaires le, le lien pour le site, de, le, le site de Sylvain. Bougez pas, je ne suis pas dans les commentaires, je vais le mettre à la bonne place juste ici. Je vous mets ça dans les commentaires immédiatement. Donc, en visitant lit, le, 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 le lit, ça va bien? Je sais pas, c'est toi qui es supposé de fatiguer pour moi. En visitant le site de Lakeside, Lakeside Private Reserve, vous allez voir un petit peu l'ensemble des. Vous allez dans, dans, dans album photo, vous allez voir safari photo, vous allez voir chasse aussi, vous avez la liste de prix. Il y a un formulaire carrément, contactez-nous. d'après ça, de là, vous pouvez poser des questions euh, directement au, euh, au outfitter, donc au pourvoyeur. Maintenant, la chasse, si on parle des. Euh, parce que tu as une liste de prix par animaux. Euh, sur le site, ouais. on, on, voit, on voit tout là-dedans. Il là, y a quand même beaucoup de stocks sur, sur la liste. Ah, je les vois, le Golden Wild Beast. Tu es moins cher, je pense, dans le Golden Wild Beast euh, qu'au qu Nord, en passant. Tu es moins cher qu'au Nord dans Golden Wild Beast. Le reste, ça ne se, ouais. se ressemble pas mal. Ta... C'est toujours avec l'offre et la demande, selon les quantités d'animaux qu'il y a dans les régions, la, fac... la facilité qu'il y a à se reproduire. Il y a plusieurs facteurs, mais oui, tu as raison. D'une région à l'autre, les prix vont varier un peu. Oui. As-tu sur le terrain chez toi du buffle du cap? Euh, non. Euh, J'ai une partie de terrain là, que maintenant, j'attends le, le permis d'un jour à l'autre, puis on va en introduire sur une autre partie de ma concession. Ah, tu vois, le, le, le White Spring Buck qui est vraiment, vraiment moins cher chez vous que, je te le dis, là, vraiment moins cher chez vous qu'on nord. Le noir aussi est vraiment moins cher. Là Je ne vois pas ton Black Impala. Il est à combien ton Black Impala? Euh, 1500. C'était vraiment. Oui, là-dedans, dans, dans ces, dans ces variations-là, honnêtement, tu es vraiment moins cher qu'en haut, ça, c'est définitif. Parle-moi un peu des, des forfaits que tu offres, parce qu'on est habitué de voir des forfaits où est-ce que des animaux emblématiques, ça ressemble à être ça chez vous aussi. Vers quoi en ligne, un Québécois qui vient pour la première fois chez vous? C'est quoi ta recommandation? Il voit ça qu'un forfait ou si on y à la carte? Ben, moi, je propose des forfaits pour rentrer dans la compétition. Pour quand le monde veut voir, il y en a beaucoup qui regardent les prix, puis ils veulent comparer des pommes avec des pommes. Mais on vend le forfait de base, puis après ça, les autres forfaits qu'on vend, c'est tout sur mesure. On discute avec le client, c'est quoi ses attentes, c'est quoi qu'il veut, t'es-tu déjà venu, euh, t'en veux-tu des nouveaux, tu veux-tu veux les faire employer chez vous, si tu as l'expérience que tu veux, c'est d'expérience. De l'expérience, il ne faut pas tirer un sable, puis il prend une photo, puis il s'en va. On y va avec son budget, puis selon ses envies. Mais dans tes forfaits de base, si on regarde euh, juste, je vais en parler de quelques-uns quand même parce qu'ils veulent savoir un peu qu'est-ce qu'il y a, c'est le genre de questions qu'on a. Un forfait écono, on parle de. Ah, gang, vous vous souvenez de votre dernier votre dernier voyage dans le sud en tout inclus, là? Bon, un forfait écono, c'est toujours en US que je vous dis là, euh, qui comprend. Vous avez neuf jours de chasse là-bas, un guide par deux chasseurs, ça c'est le standard. Vous avez un Diker, un Blaise Buck, un Impala et un Facocher d'inclus. 2 800 US, on commence à parler de quelque chose qui est excessivement abordable. Là. excessivement abordables. On va calculer l'avion à part de ça? Oui, l'avion est à part. On joue entre 1 300 et 1 500 Canadiens pour les, le, vol, les, ben le vol, les trois vols, c'est-à-dire Montréal-Europe, Europe-Johannesbourg, Johannesbourg-Port-Élisabeth. Non, écoute, tes, tes prix ne sont pas chers. Là, parce que si je regarde le Kudu, OK, je comprends, ce n'est pas la même espèce de Kudu, gang, là, mais il euh, y a un forfait Kudu. Là, Diker, Blessbuck, Impala, Kudu, 3700 US. Euh, C'est entre 2800 et 3200 US, un Grand Kudu en haut au nord. Là, juste pour vous donner une idée, là, là pour 3700 US, vous avez trois animaux de plus, puis vous avez la chance de faire un Kudu du Cap, euh, ce qui est quand même très, très, très intéressant. Là. Ça, c'est. Non, tes prix sont bons. Tes prix sont très bons. <laughs> ouais. Merci. Puis en plus, comme tu disais en début d'émission, quand on compare les chasses en, en Amérique, quand on sort un petit peu, puis on, prend, on sort en plan américain. Euh, plusieurs fois, là, ça coûte moins cher de venir en Afrique. Mais Dans les salons, cet ouvrage, j'ai fait les salons pour la première fois. Puis il faut accrocher le monde parce que le monde, ils regarde ça. Puis dans leur tête, ils se disent tout Oh, ça doit être le fun. Oh, mais ça doit être cher. Puis là, quand tu les accroches, puis tu parles avec les autres, puis tu leur dis le prix, ils sont tous là Bien, voyons donc. Pourquoi ce n'est pas plus cher que ça? J'ai même accroché du monde euh, en, au salon de, excuse, de Laval en janvier, qui sont ici cette semaine puis qui ne prévoyaient pas venir. <laughs> c'est très bon. Ben, pour vrai, moi, j'ai découvert ça comme ça. C'est un ami qui m'a emmené. J'avais en tête aussi, il y avait du monde qui m'invitait, mais moi, je me disais, ben, c'est un 10-15 000 en Afrique du Sud, puis c'est c'est ce qui est présent dans l'imaginaire collectif. Les gens pensent que c'est épouvantable. Puis oui, si vous voulez aller dans des grands parcs, aller faire des forfaits safari photo avec des tentes d'un boîte de truck puis les cuisines d'un boîte de truck on peut vous en trouver du forfait à 20-25 000 si vous avez ça à perdre dans vos poches. Mais pour vrai... Si vous voulez y aller de manière songée, aller faire une récolte, participer aux efforts euh, aux efforts de maintien, parce que oubliez pas qu'en Afrique du Sud, les propriétés sont obligatoirement clôturées, puis c'est la responsabilité du propriétaire de la terre que de pourvoir à la pérennité des animaux qu'il y a sur son terrain. Il est responsable de les nourrir, il est responsable de s'assurer qu'il n'y ait pas de qu'il pas d'intergénéité voyons comment -ce on ce dit en français de inbreeding, du congénitalité. Il est responsable, responsable d'amender ça, il est responsable de... Fait que vous rentrez dans une espèce de gestion de microbiotope qui est super intéressante. Vous allez faire des chasses qui sont dynamiques, manger la viande. Non, on n'en ramène pas à la maison de la viande. Mais vous allez tellement en manger que vous allez encore avoir le goût la bouche six mois après. <laughs> Parce qu'en fait, ce qu'on ramène d'Afrique du Sud, c'est les trophées. On ramène... Nos ponts, nos crânes, nos cornes, nos etc. De quelle façon tu fonctionnes toi avec les clients au moment où est-ce que les animaux sont abattus Évidemment, c'est pas le client qui vide l'animal chez vous non plus. Non, 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 du tout. Le client ici, il est comme partout en Afrique du Sud, il est roi. Euh, le tracker, le pH, place l'animal pour les photos. À ce moment-là, il y a une prise de décision du client pour qu'est-ce qu'il fait avec la bête Est-ce qu'il fait un charbonnement un demi, juste une cape, un cran de blanchi, il prend une décision là, ça s'en va direct à la taxidermie, la viande à la boucherie. Et puis par la suite, on aide des clients, même après son retour, on est toujours là pour l'aider avec les, les, la paperasse qui va, qui va avoir lieu, puis le retour de ses trophées chez lui qui prend 15 à 18 mois normalement. À peu près, oui, exactement. <coughs> exactement On était chanceux, nous autres cette année, ça a été un petit peu plus rapide pour des raisons inconnues. Là. Il a déjà eu ça en 12 mois, mais j'en parle pas parce que je pense c'est une exception. Non, c'est ça. Ben, on a chassé en mai l'année passée, avril. Ce qu'on a chassé en avril, en avril et en mai, on était en avril et en mai l'année passée, et ça décolle là, de, de là-bas. Là. Ça vient d embarquer, ça, ça vient d embarquer dans, dans, dans l'avion. Ils pensent envoyer ça par bateau. Finalement, ça monte par avion. Fait qu'on va Probablement avoir nos choses avant de repartir en Afrique cette année. Fait qu'on va, on va l'avoir eu en dedans. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Évidemment, il faut que le client prévoit des frais qui sont relatifs à la préparation puis l'expédition. Euh, je ne sais pas à toi, ça ressemble à quoi comme frais. Mettons, quelqu'un va faire un, un basic, là, va faire un Diker, un, un Impala, un Bushbuck puis un, un Facochère puis il réussit ses quatre chasses. Il faut qu'il prévoie combien dans son budget pour ramener ça ici, ce stock-là? Bon, ben, en partant, il y a deux choses. Il y en a qui vont se dire ah, je vais la faire chez nous, la taxidermie, par mon taxidermiste, ou je vais la faire en Afrique du Sud. En bout de ligne, ça revient pratiquement au même prix, sauf que je trouve qu'il y a un avantage de les faire faire ici. Ils connaissent leur gibier. Les taxidermistes connaissent les, les traits de chaque animal d'ici. On a de très bons taxidermistes au Québec qui s'améliorent beaucoup avec le gibier africain, mais ils ne sont pas tous rendus au même endroit. Ensuite, les, les coûts pour l'amener, c'est un peu variable parce que des fois, on fait des envois de groupe qui est avantageux. Oui. Mais il faut calculer euh, peut-être un 7 à 800 par bête standard, incluant le transport pour amener ça jusqu'à chez vous, Canadien. Voilà, et voilà. voilà. C'est un beau trip. C'est sûr que c'est quel quelques scènes à mettre de côté, mais si on compare ça à. Donc, il y a des forfaits de chasse à l'Orient, ici au Québec, qui sont le prix de deux chasses en Afrique. Là. Littéralement, là, euh, moi, j'ai un oncle qui a cessé dernièrement ses réservations, sans, sans nommer l'endroit. Mais euh, honnêtement, après avoir cessé ses réservations-là, il, il y a le moyen pour quatre chasses en Afrique. Là. Il, il y allait pour un orignal à deux personnes. C'est aussi simple que ça. Fait que, somme toute, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui me parle encore plus, c'est que dans ton cas, ou dans le cas où est-ce que nous autres, on monte avec des clients... Bien, gang, vous avez maintenant, avec d'autres, il y a d'autres agents au Québec. Là. Il y a d'autres agents, là, Mario, Michel sont là aussi pour bien vous servir. Il y a Magic G qui est là aussi. Euh, José fait des voyages. Euh, Born Tarrant fait des voyages. Tout le monde fait des voyages accompagnés. Vous avez maintenant la chance de vous faire accompagner ou de vous faire accueillir à destination par des Québécois. Ce qui ne se pouvait pas dans le temps. Il y avait réellement assez dans le temps, puis c'était pas mal tout. Là. Ça s'arrêtait là. Maintenant, l'offre est beaucoup plus grande au niveau de la possibilité de vous faire accompagner dans tout le processus. Barrez-vous pas, les pattes, Allez-y, vivez-le. Moi, j'ai toujours dit, le même matin, c'est peut-être un matin que je ne me réveillerai pas. Puis, j'aurais donc dû, j'en ferai pas. Faites-le. Allez-y, puis partez avec, des beaux so partez avec des beaux souvenirs de là. Peu importe que vous ayez pour la chasse ou pour accompagner, j'imagine que tu as des forfaits qui sont différents pour les accompagnateurs aussi. Oui, bien, ça, il y a plusieurs options. Il y a l'accompagnateur qui suit vraiment le chasseur du début à la fin. Euh, D'autres vont accompagner. Mais pendant la journée de chasse, ils vont aller faire un safari photo. Puis le, le, les clients se rejoignent le soir. Souvent, comme la, la, dans Paulon, j'ai six groupes qui s'en viennent. Les six gars vont chasser sans être sexistes. Hein. C'est comme ça que leur groupe est formé. Puis les six femmes partent en safari, en safari photo le jour. OK. OK. Fait eux autres, de leur côté, bien, ils, payent, ils payent les frais pour un safari photo de leur côté. Mais s'ils voudraient accompagner un chasseur, comment ça fonctionne? Évidemment, parce qu'on n'a pas des sorties de parc à payer, mais ça se fait. Euh, moi, ma femme me suivi dans tout, pratiquement tous mes voyages de chasse en Afrique. Puis, elle n'allait pas dans les safari photo, elle me suivait. Quand je chassais, elle était avec moi, puis euh, elle adorait ça. Puis, moi, en 15 ans, je n'ai jamais sauté une année de chasse en Afrique. Même des plusieurs années, je suis venu deux fois par année. Je ne connais personne qui était déçu de son voyage. C'est magique, ça. Oh oui, on a, l'année, l'année passée. L'année passée, oui, le premier groupe VIP, on les appelle VIP parce qu'il y a deux groupes par année qu'on accompagne vraiment, nous autres, là, on chasse avec eux autres. Puis le premier groupe VIP, je serais assez bête parce que on est arrivé quand même relativement euh, relativement tard, fait qu'on a couché au Afton Lodge, au Afton lodge à Johannesburg, euh, Safari Press International, le, le Richard, le gars qui a ça, il y a, il y a un lodge à Johannesburg où est-ce qu'on couche. Puis en arrivant au lodge le lendemain soir, parce que quand même... Un, un 5 heures là, de trot qu'on fait pour monter. On a décidé de visiter un peu. On est arrivé de soir à Noirceur sur le lodge. Les gens rentraient. Puis juste, juste l'air, le, le, l'odeur, le look. Là. Les gens n'avaient même pas vu le lodge de jour. Puis ils disent, on réserve pour l'an prochain. J'attends on... Attends au moins qu'on rentre dans le lodge, qu'on déjeune, quelque chose. Puis que tu vois, la non, non, non. non. Tu me reboucles l'année prochaine. Je te fais un transfert là pour faire une... Les gens, l'Afrique du Sud... Ah. J'ai fait, fait les quatre coins de la planète pour plusieurs raisons. J'ai été très loin dans des coins reculés, backpack, puis tout ce que vous voudrez. Le, dépay, le dépaysement, il peut arriver de deux façons dans les, dans les pays. Il peut arriver de façon à ce que vous ayez beaucoup à vous adapter avant de commencer à prendre plaisir à votre voyage. Donc, des places qui sont dépaysantes, mais un peu étourdissantes. L'Afrique du Sud, c'est la première place dans ma vie où est-ce qu'il n'y a même pas eu de temps d'acclimatation. Je suis arrivé et fait comme. Tabarouette, on est bien. On s'adapte rapidement. C'est sec. Moi, là, on a des gens qui voyagent avec nous autres qui, un peu comme moi, euh, font de la fibromyalgie ou, ou d'autres problèmes au niveau des articulations. C'est leur break annuel. C'est pas humide comme ici. Quand ils vont là-bas, ils sont bien. Ils, ils se reposent pour vrai et ils dorment pour vrai. Mais ils nous disent en revenant, c'est épouvantable. On a chassé à longueur de journée. On n'a pas arrêté. On a pris un petit verre sur le tour du fond, on s'est couché à des heures interminables et je suis mieux reposé que de prendre une semaine de vacances dans le sud à l'humidité. Ben oui, ben oui, c'est ça. Il y a des avantages. Il n'y a pas juste un cabernet le cabernet Sauvignon et le, le, le pinotage là-bas comme avantage. Là. Le, le climat là. est sec, c'est très tolérable. Oui. Regarde juste l'exemple cette semaine. Le, le, le groupe qui est arrivé sont arrivés malheureusement dans une journée de pluie qu'on a rarement, mais qui est très appréciée. ici, que le pluie est très important. Puis, il arrive une journée de pluie, fatigué avec le décalage horaire. Puis, comme tu dis, ils n'ont rien l'année prochaine. Puis, ils n'avaient même pas vu le soleil encore, ils n'avaient rien vu. <laughs> c'est ça, c'est un peu malade. Il y en a quelque chose dans l'Afrique. Moi, j'ai dit, euh, le, 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 les premiers groupes qu'on a amenés, il y en avait une couple là-dedans, c'était des chums à moi, des, tu sais, des, pas juste des chasseurs, des chasseurs. Testostérone, chemise carottée, euh, ils, ont, ils ont assurément des big bills dans la vie de tous les jours, puis des bottes à cap puis ça rêve de chasse, ça mange chasse, ça adore chasse, ça fait toute chasse. J'ai dit, man, le premier matin, mais que le soleil africain se lève devant toi, que tu vois un niala passer au loin, que tu pognes les odeurs pour t'entendre les oiseaux. Mm. Si t'as pas une émotion, je te ramène pas. Je te ramène pas, t'es pas humain. Il y a tout ça aussi. depuis tantôt, puis t'as raison. Les odeurs que j'ai trouve tellement importantes, c'est l'odeur du sol, de l'air, je sais pas, le bois, les... Les odeurs, c'est quoi qui m'accroche tout le temps. C'est quand j'arrive, puis je débarque de l'avion, je respire, puis simple, ça me fait du bien tout de suite quand oui. j'arrive. Puis, une autre chose, tu vois, que je trouve hyper intéressant, moi, je suis quelqu'un qui, j'aime bien gros faire de la popote, j'aime bien gros faire de la bouffe. Quand on fait nos pièces de viande sur le braille, on a fait, entre autres, des côtes levées avec, avec un Blue Wildebeest qu'on laissait boucaner un petit, de, de, un petit peu plus loin en arrière du braille. Les essences de bois là-bas, quand on prend du Ironwood, par exemple, des, des essences de bois comme ça pour faire le feu autour du braille, quand ça brûle, ça sent quasiment le cacao, cette histoire-là. Imaginez le goût que ça donne à la viande. C'est une autre dimension de A à Z, visiter l'Afrique du Sud. Vous allez ramener des souvenirs gustatifs, olfactifs, sensoriels. Il y a une autre chose qui va se passer la première fois que vous allez être en Afrique du Sud face à la grandeur de la nature. Vous allez vous retrouver face à un, un nouveau vous-même. Vous allez vous revisiter d'une autre façon quand vous allez vous rendre compte de l'immensité qu'il devant vous autres et de comment vous s'occupez une place qui est privilégiée, mais qui est infinie décimal au travers d'une de immense magnificence. C'est débile là-bas. Là. J'ai des brutes, des vrais hommes, testostérone, là. moi, homme, rapporté viande maison, là, qui ont versé deux, trois petites larmes quand ils se sont ramassés face à un autre, eux même, à revisiter leur raison d'être, etc., en Afrique, parce que tu es dans. T'es totalement ailleurs, totalement ailleurs. C'est magique. C'est le seul mot qui, qui me vient toujours à l'idée. Le, le, les clients qui sont arrivés cette semaine, comme tu dis, j'ai vu plusieurs larmes aussi. Puis, mon on est donc bien chanceux de vivre ça. Puis là, je suis allé, voyons donc, ça fait une heure vous êtes là. Attendez, vous n'avez rien vu encore. <laughs> Sylvain, ça fait déjà une heure, à une heure douce qu'on est en live. Euh, moi, je dois, je dois passer à des concours. Je t'en remercie. Première des choses, je t'en remercie de t'être élevé en plein milieu de la nuit comme ça. Hein. Je ne travaille pas demain. <laughs> Ça va bien. La meilleure façon de rentrer en contact avec toi, est-ce que c'est le formulaire qu'on voyait tantôt sur le site web? Oui, exact. C'est une des meilleures façons, oui. Ah, je, vais remettre, je vais remettre dans les commentaires le site web de Sylvain, donc Lakeside Safari, donc Lakeside Private Reserve. Vous avez ouais. un, vraiment un formulaire pour contacter Sylvain. C'est la meilleure façon. Et de là, je veux dire. Si moindrement, je suis, euh, je, 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 je suis un peu insécure fa face à l'Afrique du Sud. Il y a moyen qu'on se parle au téléphone et que, que quelqu'un chez vous ou toi me parle puis planifie un peu le voyage avec moi? Exact. Ben, je te dirais que t'sais, t'sais, les, les pourvoiries que j'ai au Québec, j'ai un roulement intense de personnes. On, on peut héberger près de 400 personnes, donc je ne peux pas parler avec tout le monde. Ici, tous les clients qui sont venus ici, je leur ai parlé au téléphone, on a échangé des dizaines de mails. On prend le temps parce qu'un groupe ici, ça va jouer de 8 à 14 personnes. C'est la grosseur de un de mes chalets que j'ai au Québec. C'est, qu ici, on prend le temps. Puis la majoritairement du temps, c'est le client, c'est le voyage d'une vie pour lui. Fait qu on qu'on ne peut pas juste s'y vendre ça comme si on vendrait un, un big au coin de la rue. Là. On prend le temps que le client. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est combien de temps à l'avance qu'il faut bouquer, comme présentement cette année? Est-ce que est-ce qu'il y a-tu de la disponibilité en 2024? Ben, euh, oui, il y en a, puis je vais t'expliquer un peu pourquoi. La, la vérité, c'est que j'ai commencé à faire un peu de publicité fin de l'automne. J'ai fait mes premiers salons cet hiver. Puis le résultat de ça, c'est regarder, ce printemps, je suis déjà complet. J'ai de la place cet été, mais je ne suis pas ici. L'automne prochain, il me reste quelques places le temps que moi je suis ici. Puis mon printemps 2025 est déjà complet. La gang, vous avez bien entendu. Nous autres, c'est la même chose de notre côté, 2024. On ne peut plus bien ben, ben prendre de clients dans nos groupes à nous autres. Il reste quelques petites places. Vous nous avez demandé pour d'autres expériences, pour d'autres bouts de territoire. Certains d'entre vous êtes déjà venus avec nous autres au Nord. Vous voulez visiter le Sud, vous voulez visiter les montagnes, vous voulez voir une autre réalité. Allez boire du pinotage avec Sylvain puis vivre sa réalité à lui dans les montagnes avec quelque chose de totalement différent. Ne niaisez pas. Rendez-vous sur lakesidesafari.com. Allez remplir le formulaire. Vous allez parler avec Sylvain, vous allez préparer votre voyage, vous allez préparer l'expérience d'une vie pour certains, des nouvelles expériences en Afrique du Sud pour d'autres. Puis renseignez-vous, vous êtes beaucoup à me demander encore à soir, si tu possible de prolonger? Oui, c'est possible de prolonger. Bouquez votre avion plus loin. Il y a, en, surtout, surtout sur la ESCape, il y a des Resort Gangs là, avec des spas vue sur la mer, et etc., qui sont hallucinants. C'est pas pour rien que, même nous autres au Nord, quand les gars prolongent généralement, on les garoche, euh, on les garoche à l'aéroport, à All Days, par exemple, puis ils redescendent à Port-Elisabeth en avion parce qu'ils vont faire leurs deux, trois semaines de plus sur la escape pour faire les vignobles, les spas, les, 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 les golf, les, etc. Il y a beaucoup de stock à faire. Mais allez remplir le formulaire si vous voulez avoir euh, la chance d'avoir une place. C'est un peu pour ça qu'on vous présentait Sylvain. Outre le fait que c'est un Québécois, c'est ce que vous nous demandez, c'est ce qui vous barre d'aller en Afrique du Sud. Là, vous n'avez avez un, puis c'est lui qui est là-bas pour vous accueillir dans les mois où est-ce qu'il est là. Fait que profitez-en, profitez-en, puis allez sur le site voir les prix. N'oubliez pas, c'est en US, c'est écrit, de toute façon, c'est en US. Mais je suis même jaloux des prix, parce que cette année, moi, je vais probablement me prendre un, un, un White Spring Buck en haut. Là, je regardais ton prix, je serais comme peut-être attendre pour le White Spring Buck, puis le faire en bas, parce qu'il y a une bonne différence de prix, t'es vraiment moins cher. Vas-y, on n'a on a pas, pas compris, ça a, coûté, ça a coupé. Viens faire un tour, on va t'arranger ça. Oh, oui. c'est sûr qu'on va aller prendre. Un, ben de toute façon, il faut goûter au pilotage. Je vais goûter en haut, on va aller goûter. C'est important. important. Pour faire du bon journalisme, là, là je suis objectif. Là. Pour faire du bon journalisme professionnel, il faut savoir de quoi on parle. Fait qu'on va aller goûter au pinotage en haut, on va aller goûter au pinotage en bas, puis au cabernet sauvignon, puis on va les comparer. Puis là, on va pouvoir vous parler en connaissance de cause. Vous comprenez, on sacrifie pour la cause, question de vous amener de la bonne information. Vous le savez, on vous présente qu'est-ce qu'il y a devant la caméra, c'est farce à part. Mais en haut, on fait la même chose. Si on, va, si on va chez Sylvain, on va faire la même chose. On va vous présenter qu ce qu'il y a devant la caméra. Euh, la gang de Burnt Hunt le fait présentement, elle le fait très bien. Je sais que tu as Pierre Lefebvre aussi qui s'en vient chez vous un petit peu plus tard en saison. Euh, ouais. suivez, suivez les aventures de cette gang-là. Vous allez voir comment ça se passe euh, chez Sylvain. Sylvain, tu as-tu un mot de la fin où on a fait le tour? Bon, on a fait un grand tour. Euh, tantôt, là, tu reparlais encore de la, de la route, de la route des vins, les Stone Cape, des beaux sites. Il y a la Garden Route qui est très populaire. C'est la route qui est entre port Elizabeth et Cape Town. Il y a vraiment une route qui est très, très, très touristique. Il y a vraiment beaucoup de choses touristiques à faire dans notre région autre que la chasse. Mais la chasse est merveilleuse. Par n'importe quel temps, vous, autres, vous êtes à même de donner un peu des idées sur qu ce que les, les gens peuvent faire s'ils décident de rester dans le secteur Cape Town ou port Elizabeth après? Parfait. Exact, ouais. on, ben, on est là justement pour les aider. Les, ou, il y en a qui nous amènent des idées, puis ils veulent faire tel voyage, mais ils disent « je vais y aller en janvier, je vais y aller au mois d'août ». Il y a des périodes. De, parce que le bord de la mer, il ne faut pas oublier qu'en étant plus au sud, comparé au Limpopo, c'est plus froid. C'est oui. le contraire de l'hémisphère nord. Plus tu descends au sud, plus c'est froid ici. Ok, ben, ça fait une bonne différence. Mais ça, c'est drôle parce que… Même au mois de, au mois de mai, là, euh, on amène en cadeau à nos, à nos PH là-bas des tucs et des mitaines. Parce qu'on sort le matin, nous autres, les blancs-becs occidentaux, on est habitués, on a une petite froc sur le dos, puis euh, on est bien. Puis on arrive, puis. That's freaking cool, I'm gonna die! <laughs> les guides, eux autres, sont gelés bord à bord, ils sont pas habitués, sont. Ah, oh, mais. Oh. Écoutez. <laughs> Sylvain, un énorme merci. Au plaisir, euh, plaisir d'aller vous voir. Vous avez le lien pour euh, le site internet de Lakeside. Allez-y, communiquez avec ces gens-là. Nous autres, on se revoit, mon ami, soit par chez vous ou au sur Descendre au Québec. Ce fut un plaisir ce soir, Sylvain. Ben, merci merci à toi. Bonne journée. <laughs> yes, un gros, gros merci. Salut. Bye. Excusez-moi, je vais juste aller fermer en même temps l'autre bar parce que sinon, le son va continuer à rentrer. C'est fait. Parfait. Bingo! Fait que vous voyez un peu, vous voyez le genre de trip, puis on veut vous amener ça parce que nous, on vit une réalité au nord, dans une province, quoi, ça, ça se passe comme on vous le montre, comme ça se passe devant la caméra. Mais il y a une réalité totalement différente euh, dans d'autres parties de l'Afrique du Sud, puis dans d'autres parties de l'Afrique aussi. J'espère pouvoir présenter du Nambia, d'autres de, secteurs de chasse aussi en Afrique du Sud ou dans d'autres pays dans les prochaines années, question de faire connaître d'autres choses, qui d'un fois, je vous le dis, là, et moins cher que certains bookings de chasse au Québec. Là, on va annoncer des concours, mais d'abord et avant tout, vous êtes déjà rendu à 200 inscrits au concours Winchester. Je refais le tour un petit peu de ce qu'on a à soir ensemble parce que là, on va annoncer des gagnants. Dans un premier temps, vous avez le concours de Winchester Repeating Arms Canada, qui maintenant est le présentateur officiel de Radio Crash. Qu'est-ce qu'on fait tirer? Ben, Winchester t'offre très généreusement la chance de gagner un Winchester SXP Long Beard Camo pour ta chasse aux dindons sauvages. Ben oui, Winchester, et pour, pour, pour Winchester Repeating Arms Canada, ta sécurité est très importante. Puis au moment où est-ce que la grosse dinde noire revient au Québec, on ne veut pas que tu y ailles avec un bat de baseball, on veut que tu y ailles avec un Winchester SXP Long Beard. Rends-toi sur le site de Aventure Chasse Page, donc sur le site d'ACP. Il y a carrément un onglet sur le bord pour rentrer sur Radio Crash. Sinon, tape le radiocrash.ca. Tu te ramasses sur la page de Radio Crash et de là, bouge pas de seconde. Je vais juste aller changer mon, mon écran à côté. Je pense qu'on va être capable de faire un petit switch rapide. Bougez pas de seconde. Ah oui, regardez bien ça allait. On va juste agrandir ça ici. Ah, ben, c'est bon. Régis est allé la chercher. Parfait. Alors, vous voyez là, sur le site d'ACP, vous pouvez carrément aller sur Radio Crash. Le concours est dans Radio Crash. Donc, rendez-vous sur Radio Crash. Au centre de la page, l'onglet Concours, cliquez-moi là-dessus. Cliquez là, vous êtes déjà 200, vous êtes inscrit à soir, là. là, là, pendant le live. Remplissez nom, courriel. Vous avez des étapes à suivre. Allez cocher les étapes quand elles sont faites, parce qu'on vérifie si les étapes sont faites. Vous cliquez sur Participer. Automatiquement, vous êtes inscrit au concours. Winchester, repeating arms Canada veut te gâter avec un SXP Longbeard Camo pour ta chasse au dinos sauvage. Clique sur participer, c'est fait. Deuxième point, il y a des gros prix, on annonce ce soir là. Mais si tu veux être au courant des prochains gros prix, des prochains gros prix et pouvoir y participer, va ouvrir ton compte sur Aventure Chasse Pêche. Sur la page Aventure Chasse Pêche. Le petit bonhomme en haut, tu cliques dessus, il va s'ouvrir une fenêtre, clique sur s'inscrire, remplis le formulaire, c'est gratuit, ça t'ouvre un compte sur Aventure chasse pêche. Pour l'instant, dans le chat, vous êtes là comme invité, bientôt vous allez devoir être inscrit. C'est gratis. Allez vous inscrire. Les gros concours, ça va être juste pour le monde qui sont inscrits. Fait que, vraiment sur la page, vous avez l'onglet live directement là, ou est-ce que vous pouvez suivre le live? Vous avez le chat. Présentement, vous devez cliquer dans le bas pour écrire. De, -de là, il va vous apparaître un petit onglet qui va marquer ⁇ Invité ⁇ On rentre notre nom, puis on écrit comme ⁇ Invité ⁇ mais bientôt, vous allez devoir vous connecter. Alors, allez ouvrir un compte en appuyant sur le petit bonhomme en haut à droite. Quand vous appuyez dessus, vous cliquez sur ⁇ Inscription dans le bas ⁇ Ben, ben, ben important. Inscription dans le bas. Et de, -de là, vous remplissez le formulaire très, très court. Vous faites inscription, vous êtes inscrit, vous avez un compte ouvert sur Aventure Chasse-Pêche. Ça vous coûte zéro bin de barre. Maintenant, on fait les tirages là, là. J'aimerais ça que vous partagiez le live que vous écoutez présentement, mais j'aimerais surtout que vous partagiez. On peut-tu, Régis, remets juste l'adresse directe dans les commentaires ici pour le live sur la plateforme? Donc, vraiment l'adresse de la plateforme live. Mets-moi là dans les commentaires présentement. Puis allez me partager cette adresse-là dans les réseaux sociaux. Pas le live que vous écoutez là. Allez me partager l'adresse que la régie va mettre là, la régie, l'adresse qui est là. là. Donc, copier l'adresse, puis allez me partager ça dans tous les réseaux sociaux possibles et impossibles. On va en faire d'autres concours comme ça, inquiétez-vous pas. Là, dans un premier temps, premier concours que j'ai, le premier gagnant que j'ai à annoncer, vous avez compris que le SXP Longbeard, lui, le tirage est le 25 avril, donc juste attends pour le dénoncer sauvage. Ça vous donne un peu de temps pour aller vous abonner, mais allez vous abonner en cliquant sur concours sur le radiocrash.ca. Radiocrash.ca, concours rempli le formulaire. On avait à faire tirer le JBL comme ça ici, Extreme 3. C'est quand même assez gros, là. C'est un JBL Bluetooth qui est à l'épreuve de l'eau. Tu peux le tirer d'un arbre faire qu'est-ce que tu voudras. Pour gagner le JBL, ce qu'il fallait faire, c'était apposer les autocollants qu'on donnait gratuitement au salon, euh, au salon de Québec et les apposer sur votre véhicule. Après ça, vous preniez une photo puis vous veniez déposer ça sur le post sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche notre gagnant du JBL Bluetooth Extreme 3, c'est Monsieur Scott Peterson. Scott Peterson, tu viens de gagner le JBL. Donc, on s'organise soit pour se voir, soit je dépose à la station pour que tu passes le chercher, ou on va s'organiser pour l'expédier. En plus, ben, c'est un, un auditeur d'Onge aussi, fait qu'il a mis les deux bons logos un hein, à côté de l'autre. C'est toute la même gang, la même famille, cette histoire-là. Fait que Scott Peterson, tu viens de gagner le JBL Extreme 3. Maintenant... La grosse partie de concours, on avait deux gagnants annoncés. Il y en a un qu'on a annoncé la semaine dernière, qui était la tente Imago, donc la tente Glam Imago, les tentes. Quatre saisons, on tente de glamping. Ce soir, on annonce un grand gagnant. Euh, écoutez, c'est 4000 pièces de prix, offert par Browning Canada. Euh, by the way, allez faire coucou sur leur page euh, côté euh, Facebook, côté Instagram, etc. Ça vaut la peine de leur dire qu'on les aime. Hein. Euh, fait qu on, on va faire ça pour leur, leur, leur show et beaucoup de love, leur montrer beaucoup de love. Le concours vous permettait de gagner... Un euh, fusil de chasse A5, donc un Browning A5 Wicked Wing Auric. Euh, rien de mieux pour la chasse à la sauvagine. Puis un kit complet Cold Front et salopette isolée Auric. Valeur 4000$. Roulement de tambour. Notre gagnant pour le kit Browning, le voici, le voilà. Monsieur Stéphane Perra. La, la semaine passée, on a annoncé Mathieu Paquet qui était le gagnant d'attente Imago. Quand même de très bonne valeur aussi. Pas loin de 10 000$ en valeur. Le Stéphane Perra, eh bien, tu te mérites le A5 avec le kit Browning. Un gros, gros, gros félicitations pour ça. Maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Allez vous abonner. Ouvrez votre compte sur le site. Je vous le rappelle, on déménage les médias sociaux. On s'en va uniquement sur le site d'Aventure page bientôt. Allez vous abonner. C'est gratis. Partagez le lien du live de la page. et des prix, vous allez en avoir pas mal plus que sur les réseaux sociaux parce qu'on sauve les, la fortune que ça nous coûte pour faire de la promotion sur ces médias sociaux, qu'on envoie carrément en prix du côté de la plateforme. Donc, vous allez avoir plus de prix. Plus de stock, accès à plus d'informations. Puis là, au moins, on n'est pas limité pour montrer des armes, des munitions, des etc. On sera pas coupé. Si vous n'avez pas déjà votre application Radio Crash, je vous rappelle que sur vos plateformes Android et iPhone, vous allez la télécharger facilement. Là-dessus, ben, je vous dis, n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolette et au Signal pour recevoir tout ce que vous voulez savoir sur le domaine de la chasse et de la pêche et les événements qui s'en viennent. Euh, on s'ajuste pour l'affichage. Moi, je trouve que l'affichage est très beau, Mais Régis, c'est très perfectionniste. Pour lui, l'affichage. Tu parles l'affichage du chat, toi, là. Toi, hein Je te, je te parle pour certaines personnes. Attends pas, il y en a un qui est arrivé là. Alors, mais c'est correct, les Viens, Eh il Régis, a pas trop. C'est parce qu'on est en équipe, nous autres, l'autre bord. Qu'est-ce qui se passe avec l'affichage C'est des petits bonhommes verts, des petits verts. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a la même sorte d'écran, la même sorte de téléphone, puis tout. Puis il faut que je fasse la tour. Il y en a qui ne voient pas non. tout le chat, il y en a qui manquent un petit bout de, de chat, on va tout arranger ça. Non, mais Régis, ouvre une boutique d'écran sur ton site. ouais je pense que c'est ça <laughs> que je <tu> vais faire. On va vous vendre ah, des, ouais. des, des, des écrans. Non, mais de l'ajustement, c'est normal. Puis là, moi, ce que je vous dis, c'est... Un peu d'indulgence <coughs> au niveau des ajustements, évidemment. C'est une demande que vous avez faite. On a déposé cette demande-là à Régis et Régis a réagi très, très, très rapidement. Vous saviez que on, avait le, le, on avait le stream depuis longtemps sur le site, qui était un peu notre plateforme de secours quand ça coupait ou si jamais ça coupait sur Facebook. Mais là, très rapidement, Régis servirait de bord il a créé un chat qui vous a donné accès rapidement comme invité. Là, tort, vous êtes capable de chatter, puis savez-vous quoi? Ça ne plante pas. Ça reste debout, ça plante pas. Fait que moi, je vous dirais, oui, il reste l'ajustement. Mais là, dans les commentaires, peux-tu voir un fucking shitload de merci Régis, merci ça, Régis, les, on, on, donne du on aime Régis. Régis. Parce que Régis, non? il est peut-être chialu sur son propre travail. Moi, je trouve qu'il a fait une crise de bel job. Parce que là, présentement, vous, vous êtes capable de regarder sur le site web, vous vous parlant de vous autres, vous chatter, pis ça ne plante pas, ça tient. Je sais pas combien vous étiez à regarder des vidéos sur le site. là. Tu vois, il était là. Hey, C'est bon en tabarouette. Très bon. Vrai? Très bon. C'est ben malade. Ouais, merci vous êtes Régis. C'est parti. Yes. Hey, faites donc. essayez donc de le faire tomber. Allez, Allez. dire merci Régis sur le chat, mais lâchez-le pas. Euh, Scott, pour communiquer avec nous autres pour ton prix, euh, écris à Martin en privé. Présent. Carrément, puis on va, on va communiquer avec toi là, pour voir euh, ce qu'il y en est. Sur okay. mon Facebook perso, pas sur le Facebook pro, ça va être, ça va être plus facile. On ouais, mais ils n'ont pas toujours tout accès. Hein? Le chat s'emballe, ça y va, les merci. Euh, oh yeah! <laughs> Parlez-moi de <laughs> ça. C'est génial. Régis, du gros love à soir. Yes, hey, génial. Gagne! Donc, je vous rappelle, Martin l'a dit, mais je vous le redis, là, c'est une chance inouïe, puis le temps il est court. Allez vous abonner au concours de Winchester sur la page de Radiocrash.ca. Si vous avez des questions, parce que nous, on est en train de vérifier tout ça, tantôt, on a même modifié le texte pour vous autres. Ce que vous faites, vous cochez toutes les cases. Quand vous cochez la case pour l'infolette de Winchester, devinez quoi? Ben ça, ça veut dire que vous êtes automatiquement abonné à l'infolette de Winchester. Arrêtez de chercher un lien deux quand vous allez faire c'est beau appliquer au concours donc vous pèsez sur le petit bouton participer ensuite de ça vous allez sur facebook parce que vous n'êtes pas toujours connecté en même temps sur votre facebook et vous allez liker les deux pages qu'on vous demande de liker sur facebook parce qu'il y en a plusieurs tantôt qui disaient ça marche pas ça m'envoie sur une page qui marche pas oui si vous n'êtes pas connecté sur facebook en même temps sur votre appareil exemple sur votre oui je m'envoie là régis c'est là je m'en allais donc c'est pas tout de suite donc c'est ça dans le fond vous avez juste aller liker ensuite sur votre facebook pour être sûr que ça soit fait donc puis partagez j'ai donc les pages hey, j'ai été discipliné ce soir Régis il est, il, il est 20h31 puis je m'apprête de sortir du live fait qu'ils vont pouvoir aller voir l'émission fait que mais... là Régis il, il me criera pas dessus que je fagocite ou que je cannibalise ma propre émission parce que je défonce je ferai pas du jean Marc Parent fait que Régis il va être fier de moi quand il est fier de demain bien, il vous fait du bon stock comme des chats comme ça fait qu'on va garder fier mais il y a quelqu'un d'autre à qui je veux parler on a un Italien, sénile et Chioleux parmi nous, présentant du nom de Marcello Piacentini, Ouh. qui ce soir, ce soir, attention, ce que vous voyez derrière, à droite, oui, c'est ma doublure, qui porte le nom de Marcello Piacentini. Et celui que vous voyez au front, peux-tu nous remettre l'image une petite seconde? Celui, celui que vous voyez au front, c'est Mike Ken. Donc, ce soir, on vous présente une chasse. Dans les. Voyons, euh, ouais, on t'a dans, dans les chic Dans les Chic-Chocs, chasse aux petits gibiers. Du côté avec de la CEPAC. M du côté de la CEPAC avec Mike et Marcello. Marcello Piacentini. Mike nous fait du, de l'expresso sur le top des montagnes là-bas dans sa boîte de Ils ont de l'air à la guerre. Pour vrai, honnêtement, là, super beau reportage. Ah ouais, on a eu du son, On a eu du fun. Puis là, l'Italien, la semaine prochaine, il est avec nous autres en live. Ah ouais? Ouais, il va mettre sa, sa gornote là-dedans, sa grenaille. Grenaille là-dedans. On parle de balistique de grenaille. On... Non? Ben écoute, euh, si vous êtes pour parler de garnottes que vous mettez quelque part, on ben, va vous laisser aller. Ben, on parle de grenades, de cartouches qui, qui est propulsées <laughs> vers l'avant à l'aide d'une bourre. Donc on bourre avec une garnotte la semaine prochaine avec Marcello Piacentini. Puis Pis là, avant que tu quittes, il y a d'autres choses. Puis Jen elle vient de me le faire penser que demain. On s'en va du côté de Gram Donc, oui. au nouveau, au tout nouveau écotone de Grambé. On va être là-bas demain, en après-midi, jusqu'à un début de la soirée. Marc-Claude Rasco, Pierre Thomas, qui vont être avec nous autres, assurément. On espère que vous allez être plusieurs à venir nous joindre. Vous avez des questions. Vous avez des questions sur la munition, hein, quand Martin vous en a parlé cette semaine. Vous avez des questions sur votre équipement. Ben, ça va être le temps de venir les poser. Et ensuite de ça, samedi, on va être du côté de Saint-Ancem du côté de Poulain Chasse-Pêche, qui est aussi un tout nouveau écotone. Donc, on s'en va encourager un petit peu comme ça. Vous allez nous voir. Ça fait ouais. longtemps que vous nous le demandez, d'être en région, là. Ben là, on va vous voir. Fait que venez vous êtes. A... Bien important, du côté de Poulain Chasse-Pêche ici, le écotone de Saint-Anselme. C'est aussi son événement saline qui bat son plein. Fait que ça vaut la peine. Dans les deux cas, venez nous voir. Posez-nous une question sur les munitions, sur les armes à feu, mais aussi de comment faire vos salines, parce que c'est le bon temps d'acheter vos produits de saline. Euh, Poulain ici, entre autres, est en événement saline, fait qu'on qu va, je pense que, il euh, y a une coupe de, de prosstables de saline qui vont être sur place aussi du côté de Poulin-Chasse-Pêche, fait qu'on va vraiment pouvoir vous diriger, vous allez pouvoir les acheter en rabais en même temps. C'est pas mal ça. Je viens de voir Marc-Antoine qui demande est-ce que le sou de filles de bois sportive va être disponible pour le dindon Ben non, parce que là, écoutez, vous avez un, un concours présentement qui est en cours sur la page filles de bois euh, <coughs> sur votre site web d'aventure chasse-pêche. Vous avez un concours présentement, les girls, et c'est valide jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, c'est encore le temps de participer pour être une des premières à pouvoir le tester sur le terrain. Moi, j'ai quoi d'autre à dire Vous êtes complètement tombé sur la tête, les filles. La en fin de semaine passée, j'allais au baseball avec mon plus jeune euh, au stade à Charny. Puis quand je me suis assis, j'avais quelqu'un à côté de moi. Je t'ai envoyé une photo d'ailleurs. Il Sébastien à côté de moi. Oui. Bon, il y avait quelqu'un de Sport Chief à côté de moi. Puis c'est quelqu'un qui est entre autres responsable des commandes. Il dit Ouais, je pense qu'on les a sous-estimés. Comment ça? Et tu viens en recommander, puis en tabarouette, les magasins ils ont tout acheté, <laughs> tout est vendu, tout, 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 tout. Fait que vos magasins vos magasins écoton mais aussi vos magasins pro nature et quelques autres magasins oui. ont tout commandé l'inventaire d'une claque de ce qui s'est fait de stock filles de bois fait qu il y a une autre commande qui vient d'être placée parce qu'on a déjà passé au travers au niveau de la distribution en magasin fait que là ça va vous être offert dès que c'est rentré en magasin ça vous est offert mais les magasins ont tout commandé l'inventaire il n'y en a plus chez sport chief ils font une deuxième commande de tomber sa tête c'est complètement malade dernier point oui. boutique ACP. Toute la nouvelle collection, n'oubliez pas qu'elle est en cours. On va commencer à vous mettre des photos dans les prochains jours. Vous en avez vu une passer aujourd'hui pour vous annoncer justement qu'on allait du côté de ah, B et de ah, Poulain. Oui, 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 oui avec les, les petits, euh... Effectivement, avec nos petits polars. Fait okay. Bref, allez faire un petit tour sur la boutique ACP si vous voulez vous procurer les nouveautés parce que maintenant il va y avoir une rotation un petit peu plus continue. Hein. Les produits ne resteront pas aussi longtemps qu'avant. Si vous voulez les avoir, allez faire un tour tout de suite sur la boutique ACP. Hey, merci, gang. Merci. Vous êtes complètement malade. Tantôt, il y avait 200 abonnements au concours Winchester Repeating Arms Canada. Radiocrash.ca, concours, remplissez le formulaire, c'est fait. D'autres concours demain, on en aura à plein. N'oubliez pas d'aller ouvrir votre compte. C'est le grand déménagement. On sac notre camp dans nouvelle bâtisse du côté de la plateforme Aventure Chasse-Pêche. Retour, oui, de KM sur la route. C'est dimanche vrai, merci, Régis. À, à, on... Gang, on va y arriver. On peut pas vous donner d'heure précise parce qu'on est sur la route. C'est quand il y a du signal d'infos, on va être en direct, d'infos, on va être en rediffusion. Mais les dimanches... Tu parais plus intelligent en vêtements, Godbrush. Ah, y que plus il y en a qui sont plus intelligents, il y en a d'autres que. Hein? Je t'ai remarqué remarquer que c'est Lucas qui a déjà passé une journée complète au travail chez Fromagerie Victoria ici à Lévis avec Vous une, une ça, de, fille de bois. C'est pas ça, Eric est ah. là. Eric Morissette est là, il va l'écœurer. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Il a passé une journée au travail chez, chez Fromagerie Victoria ici à, euh, en bas à Lévis, chez Michael, avec carrément une, une calotte de fille de bois. <laughs> Qu'est-ce qu'il dit là? March, rappelle-tu de ton mot de passe? March, je devrais y acheter le même livre que j'ai acheté à Joanie. What's my fucking. What, where, what the fuck is my password? What the fuck is my password? C'est un guide. Un petit livre, prendre des passwords en un autre parce que Marcello, c'est Marcello, c'est ça. Mais ça, nous sur ce qu'elle quel, quel peser pour rentrer en live, ça va fonctionner. Oui, Scott, ah. ce sera pas long. Martin va te euh, communiquer après, une fois que oh oui. le live terminé, est terminée. C'est ça, si je suis en long avec vous autres, je suis pas en train de parler avec toi, monsieur Scott Patterson sur le, sur le clavier, c'est sûr, c'est sûr. sûr. Ben, on fait peut pas être que... partout. Là, déjà, que écoutez, juste avec ce qu'on vient de vous bombarder là, vous ne manquez pas de stock, fait que là, votre rendez-vous, c'est soit sur votre site web d'aventure chasse page, votre YouTube, ou encore sur les ondes de Télémag Vous le savez, c'est votre émission. On l'a fait pour vous autres, c'est temps d'aller faire un tour aux toilettes, de préparer votre café. Et puis d'aller vous installer confortablement. Je vais faire un pipi. Ah oui, tout le temps. Je vais aller faire un pipi. Puis on s'en va écouter l'émission. Elle va être hot à soir. Souvenez-vous du check passe. ban à passe, ban Première des choses, hey, je suis hot. Je suis rendu avec une doubleur italienne. <laughs> bon, il y a SNL, là, mais c'est pas grave. Une doublure italienne. Moi, j'achète du cuir italien, man, pour faire ma doublure. Mais regardez bien les expresso dans boîte de Pick-up par Mike Ken. Complètement malade. Vous ne voulez pas manquer ça. Filmer, euh... ça va être débile. débile on vous débile. aime. À demain, tout le monde. Yes. Salut, tout le monde.